Va donc en congé, ouais, jusqu'à fin août. Fin août, début septembre, je sais pas, on va voir quand ou quand Monsieur Billy sera parti en vacances. Ouais, je me dis en fait, mi-septembre, on a une semaine de congé avec Lulu. On a une semaine où il n'y aura pas de live ou quoi, mi-septembre. Donc ça se trouve, Billy partira et reviendra. Je sais pas encore, je sais pas encore, je sais pas encore, je sais pas encore. On verra ça. Allez, on rallume le téléphone au cas où que ma petite femme a besoin de moi. Voilà, toujours. Ça va le bébé, il va bien? Comment va le bébé? En vrai, le RP de Billy, c'est pas mal. Ouais, vous aimez bien le RP Billy? Tiens, c'est une bonne question, ça. Maintenant qu'on a un petit peu de recul sur le RP de Billy. Comment... Alors, je sais que bon, il y en a qui préfèrent 22, il y en a qui préfèrent Billy. Bon, voilà, je me doute bien, je me doute bien. Je demande pas la préférence. Je demande juste, est-ce que vous aimez bien? Est-ce que c'est cool ou quoi? Ou si après on pourrait faire, ou on pourrait faire s'il y a un sondage, tiens. On pourrait peut-être faire un petit sondage. Elle dort sur moi, mais j'ose pas la poser. Ah, ouais, quand c'est comme ça, faut attendre. Et dès qu'elle bouge, hop, tu la poses sur le ventre. T'embêtes pas à la poser, ma princesse. J'adore, j'aime bien les deux. Ça, ouais, ça change, voilà, ça change, c'est cool, c'est sympa. Ouais, j'avoue, après la police, l'équipe de la police me manque, hein, le capitaine, tout ça. Ah, attendez, hé! Alors, ça, j'ai appris ça. Alors, j'ai appris ça. Est-ce que c'est RP que j'ai appris ça? Bah, Billy le sait pas parce que Billy s'en fout. Mais ça, je peux vous le dire. Le capitaine. Alors, apparemment, 44 n'est plus capitaine. Alors, je sais pas pourquoi. N'est plus commandant. 44 n'est plus commandant. Je crois qu'il a arrêté. Parce que ça prend du temps aussi. Hein, faut avoir le temps pour le faire. Hein. Donc, 44 n'est plus commandant. 33 est passé commandant. Et je crois que 54 Pazzo est passé. Super Pazzo est passé capitaine, je crois, maintenant. Oh, putain, je vais tellement le faire chier, Pazzo, quand je vais revenir. Oh, capitaine! Bonjour capitaine, comment ça? Alors comment ça vous êtes passé? Oh bah félicitations capitaine. Ah bah moi je suis content vous avez... Oh vous le méritez, oh, je vais tellement le faire chier. Bref, le burrito est où? Garage de la triade, transféré. Qu'est-ce que j'ai comme véhicule ici? La Blista, elle est là? Ok, ranger le véhicule. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre comme véhicule ici? C'est tout? Scotcher, c'est le vélo? Le vélo serait là? Non. Le burrito. Ah, le burrito, il est là-bas. J'ai pas de sous, il me faut des thunes. Hein. Tout est dans le garage de la triade, en fait. Oh, fais chier. On va prendre l'Asbo, c'est pas grave. C'est pas... C'est la Blista? C'est la Blista. Allez, c'est parti! J'ai même Billy, mais Francis est largement au-dessus pour moi. Ah voilà, après, c'est pas le même délire. On va dire que bon, même si Billy fait des conneries et a envie de taper tout le monde, faut que je m'achète un marteau, les gars. Je vais passer m'acheter un marteau. J'aime bien parce que du coup, en fait, j'ai pris le marteau et du coup, ça fait une référence à Francis et je trouve ça cool. Mais du coup, oui, c'est pas les mêmes personnages. Il y a Francis qui va être un peu plus drôle, un peu plus pertinent, un peu plus à dire des conneries. Billy, il a quand même une réputation à se faire. De voyou, de méchant, mais ce qui est drôle, c'est qu'il veut taper tout le monde, quoi. Billy pense avec ses mains, il pense pas avec sa tête. Alors. Billy, il aime bien mettre des grosses tartes. Parlez aux forces de l'ordre pour avoir le permis d'arme. Le vendeur refuse de vous montrer les armes à feu. Oui, bah oui. Bah, on n'a pas de marteau, c'était pas là le marteau. 3500? Un couteau 3500? Où est-ce que j'avais acheté un marteau? Ah, peut-être dans l'hardware, plutôt. Ah, je vais y voir dans l'hardware. Il me faut un marteau. Le marteau, c'est mon meilleur ami. Qui est en ville? Est-ce que Monsieur Sankadoudou est en ville? Non. Est-ce que Monsieur Brandon Boudin est en ville? Non. Ah, super, j'ai personne de l'équipe qui est en ville. Ok. Est-ce que tu peux pas faire un jour Billy, un jour 22? Alors, ça serait très compliqué de faire ça. Parce que moi, je vais me perdre dans le RP déjà d'une. En plus, je pourrais choper des informations de la police contre Billy ou contre l'équipe de Billy. Donc, tu vois, ça pourrait franchement gâcher mon RP. Donc, c'est pas un truc vraiment super cool à faire, tu vois. Bon voilà.
Là, il nous reste une amende de 11 000 à payer. On a sur le compte et sur nous, on a en cash 2500 et 2000 dollars sur le compte. On est vraiment mort. Le burrito est blindé à craquer de weed que je dois transformer. J'ai une flemme agitée aiguë d'aller transformer ça tout seul. Ou alors, il faudrait que je prenne quelqu'un pour le faire travailler avec moi. Le problème, c'est que 1, je ne sais pas qui prendre. Et 2, marteau. 2500 le marteau. Ouais, mais pour taper les gens, c'est cool. C'est quand même un marteau. Hein. C'est pas n'importe quoi. Alors, il me faut un marteau. Bon, il me faut du pognon. Alors, on avait parlé au mécano. Le mécano, il va peut-être savoir... Putain, mais c'est une blague. Au moins une qui répond, bordel. J'en ai 60 sur le serveur, mais... Ceux que j'ai besoin sont pas là. Bonsoir. Ah, bonjour Billy, ça va? Ah, tu m'as reconnu! Ah, j'ai voulu te faire une blague. Mais non, c'est incroyable. Oula, attends, parce que là, j'ai mon coffre qui est ouvert. Qu'est-ce que tu fous avec le coffre ouvert encore? Parce que j'avais mis un mec dedans. T'as mis un mec dans le coffre? Oui, mais... C'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Putain. Alex? Oui, quoi? Quand tu dis que je dois pas faire de conneries, ça serait bien que t'en fasses pas non plus, hein. Quand je dis mettre un mec dans le coffre, c'est pas comme toi, genre le tuer, lui mettre un coup de marteau dans la tête. C'est simplement parce qu'il y avait pas assez de place dans la voiture. Donc, parce qu'il y a pas assez de place dans la voiture, tu fous un mec dans le coffre. J'ai envie de te dire, s'il est pas content, il s'achète une voiture, le monsieur. Et tu rends service comme ça, toi, c'est bizarre, hein. Rends service, mais vous allez dans le coffre. Le problème, c'est que ma voiture est toute cassée. Elle est toute cassée, ta voiture? Comment ça se fait? Il est fort probable que je me suis ramassé des murs. Ah ouais? C'est quoi? C'est ta voiture rouge là, Ruby, qui est cassée? Elle est encore à la fourrière. Ah bah ça c'est très bien. Non, c'est Charlotte. Tu sais que je serais capable de lui donner de l'argent à la police pour qu'il la garde à la fourrière, hein, Ruby. Il faudrait déjà que t'en aies de l'argent, Billy. Citoyen. Pardon. Oh, comment elle est désagréable. Vous avez vu comment elle est désagréable? Faudrait déjà que Billy il ait de l'argent. Voilà. Raccroché au nez. Que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces manières, non mais... Comme si Billy n'avait pas d'argent. C'est vrai? Mais quand même. Quel personnage désagréable. Alors là, je cherche en fait à aller au port. On va essayer de travailler un peu. T'es dans le même surf que 22? Oui, bah oui. Oula. Est-ce que quelqu'un peut expliquer à Tigana là? Parce que c'est moi 22, on est d'accord, hein? Oui, non, je suis dans le même cercle que mon personnage 22, si c'est ça ta question. Non, je voulais aller au... Ah ouais, d'accord, je sais pas où je vais. Bon. Le destin m'a dit que je devais aller par là. Bon, dans tout ça, moi je suis tout seul. Non, mais moi je vais aller faire la weed, hein, tant pis. Hein. Faut que je trouve un moyen de faire la weed ou quoi là. Comment... Attendez, je réfléchis. Comment je peux me faire de l'argent rapidement? J'ai pas d'armes. Faut que je vende la weed. Non, il a le droit de pas savoir, attention. Ouais, Billy qui va travailler, ça lui va pas. Billy, il travaille pas, il fait que de l'illégal. N'empêche, vous avez remarqué que je suis Reaper, j'ai pas touché un camion de poubelle, hein. Mon métier c'est éboueur, je n'ai pas touché un camion de poubelle. La pêche, vend ton corps. On avait un script de prostitution mais il est trop bugué, c'est dommage. C'est dommage, donc on le fait pas parce que sinon c'est trop bugué, c'est pas agréable. Oui, c'est un nouvel homme de toute façon, exactement, c'est un nouvel homme. Non, mais faut que je braque une banque, faut que je sois dans un coup. Vas-y, hey. J'ai une idée. Putain, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont pas là? Oh
là là, mais on est 60 sur le personne. Il y a aucune personne que je connais qui est là. Doudou, il est pas arrivé. Doudou, il peut arriver vite à tout moment. Eh, je suis en train de me dire là, la team. On est d'accord que je suis mort la dernière fois, mais j'avais un sac rempli de weed quand je suis mort. Putain, j'avais un sac rempli de weed quand même. Hein. Oui, bah oui, bah oui, parce qu'il y en avait deux. Il y en a un qui a été dans le burrito, mais l'autre était sur moi. Oh, j'ai perdu autant de weed que ça. C'est vraiment la crise. Hein. Oh, c'est vraiment la crise. Mais pourquoi je dois toujours payer? J'en peux plus toujours payer. Toujours payer, payer, payer. 112. Et là, j'ai le sac qui est plein. Ça va. Eh, ça va. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vendre ça? On essaie de... Faut aller transformer tout ça, hein. Ça va être long. Ça va être long si je dois transformer tout ça, là, hein, l'équipe, hein, là. Ah oui, la boîte à gants, il y en a aussi. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah non, faut que j'aille d'abord le transformer, en fait. Ça va être long de transformer, hein. Oh, quoique. Il y en a 9 devant. On va le transformer, vous croyez? Et après, on le revend. Go transformer, vous êtes chaud pour transformer? Bon. Ah bah, on va aller transformer ça, alors. Dans l'éventualité que j'ai 112 pieds à transformer et que les et que je les vends. Quelle peine j'en cours. Mais admettons, hein, dans l'hypothèse, bien sûr, hein, Skyfra. Ça va être long tout seul. Mais ouais, ça... je vais peut-être pas tout faire ce soir tout seul. Mais on va essayer d'en faire une petite partie. Il est dans un état ce camion aussi. Ouais, voilà, l'illégal faut forcément farmer, hein. Ou alors t'as des mecs qui travaillent pour toi, mais là on n'est pas encore à ce point-là. Faut jouer une voiture, pas celle du maire. Ouais. Oui, bah ça c'est facile à dire. Ah, j'ai envie de les écraser. T'es pas encore la mafia, hein? Ah bah non, je suis pas encore la mafia, non. Ah non, puis j'ai encore du taf, hein. Non, j'aurais bien créé un gang de bikers, mais c'est long. C'est long à faire. Et donc, du coup, prochain live, vendredi, puis on fera du Billy aussi. Le Billy, le matin, c'est cool aussi. C'était bien, j'ai bien kiffé la dernière fois, au final, de faire du RP le matin. C'est calme ou quoi, mais bon, vu qu'on farme, vu qu'on fait des petits trucs, vu qu'on fait des petites missions, peut-être qu'on ira farmer les matériaux. Ça pourrait être intéressant d'aller farmer sur les matériaux à Amazon. Comme ça, on pourra peut-être crafter des choses pour qu'on puisse les revendre après. J'en peux plus d'elle. J'en peux plus. Je crois qu'il manque quelque chose, mais je suis pas sûr. Mais j'en peux plus de cette femme. J'en peux plus. Au Seigneur, pensez au Seigneur. Allô? Oui. J'en peux plus de... Non, j'en peux plus de toi. Hein. Il faut plus que tu conduises. Hein. Vraiment. Pourquoi? 1, je vais te donner des cours particuliers. 2, dès que j'ai de l'argent, je te repaye les formations de permis. Et 3, tu viens de niquer une putain d'élite, une putain de pur sang américain. Non, alors. Déjà, tu te calmes, d'accord? Faut pas crier dans mes oreilles. De 2, je sais très bien conduire. Mais disons que c'est la voiture qui voulait pas conduire. Oui, comme la dernière fois, t'as perdu une roue avec Ruby, là. C'était la voiture. Non, mais Ruby, flemme, elle, je peux plus me la voir, cette Ruby. Mais Charlotte, c'est, je sais pas, elle a été susceptible. Oh là là. Susceptible. Le mécano, il a fait tomber ma voiture par terre.
J'en peux plus, Billy, j'en peux plus, je te jure. J'en peux plus non plus, j'en peux plus non plus. Bon, alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vas-y, je t'écoute, Billy. La bonne, c'est que j'ai payé l'amende la dernière fois de 12 000 que tu m'as donné, que je dois te rembourser. T'inquiète pas, je t'oublie pas, il y aura des petits intérêts. T'inquiète. Non, c'est entre amis. Oui. Allez, je te l'offre. Non. Les bons comptes font les bons amis, justement. Et donc, sachant que j'ai encore 11 000 pour l'histoire de la Ferrari. Bon. Oui. Bon, là, du coup, je vais travailler un peu, je vais me salir les mains. Oh. Et attends, salir les mains, pas salir les mains avec du sang, j'espère. Non, pas là. Enfin, sauf si on m'emmerde, mais ça, c'est différent. Ok. Si jamais y a tes gars, là, des mécanos, là, j'arrive pas à joindre l'autre, là, qui m'a donné son numéro, là, Cheval. Il est compliqué, popo. Ouais, bon, pas de soucis. Mais s'il y a besoin de main ou un truc qui est payé, moi, je suis preneur, hein. Soucis, bah, je vois ça avec le deuxième. Ouais, vois avec le deuxième, et là, s'il y a un truc à faire ou quoi. Et je te tiens au courant tout de suite, d'accord. Là, il est en train de traîner ma voiture sur toute la route. Oh, putain de merde. Non, j'en peux plus, tu me fatigues. J'en peux plus. Oui, tu me fatigues. Je t'ai pas dit, Billy, hier, ce qui s'est passé. Non, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai glissé d'un pont. T'as glissé d'un pont. D'un pont. Il y avait la voie ferrée en dessous. Mais du coup, t'as été à l'hosto et tout, t'étais blessé? Oui. Ben oui, il m'a refousu la tête. Il m'a coupé des cheveux derrière. Non, mais il est fou, lui. Ah, les beaux cheveux rouges. Oui, en plus, j'ai changé de coiffure, là, j'ai coupé mes cheveux et tout. Ouais. Ben oui. Bon, Billy, je vois ça avec le deuxième et je te rappelle, d'accord? D'accord. Bon, prends soin de ta voiture, bordel de merde, hein. Oui, bah alors là, dans l'état où elle est, compliqué. Et arrête de conduire. Mais il faut bien que je conduise, je travaille. Eh ben, je t'emmènerai, moi, parce que, putain. Oui, enfin. Paye-moi, je fais ton taxi. Ouais, ok. On verra, Billy. Oh, elle me fatigue. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. J'ai peut-être loupé des choses tout à l'heure. Il n'y a plus rien dans ce magasin? Qu'est-ce que ce magasin vide? Elle est pire que 22, mais j'ai l'impression. Elle est folle, hein. Elle est complètement tarée. Hein. Elle est complètement folle. Hein. Mais comment ça se fait qu'il n'y a plus rien dans ce magasin? Eh, parle bien, toi, je vais te... Bon. Des fois, j'ai peur que les PNJ volent les voitures. Je crois que c'est possible. Comme dans GTA solo. Ça donne quoi l'histoire du maire? Je sais pas du tout. Ah putain. Ah vous. Ah, c'est pas con, mais. Attention, R. ORP, les gars. Attention, OHRP, pardon. Mais si, j'ai vu une. Ah, mais j'ai vu une note, mais je sais pas si je peux la prendre en. J'ai pas vu sur quelle discussion. Le problème, c'est aussi d'être admin sur le serveur, c'est que je. Je sais ce qui s'est passé avec le maire, mais Billy sait pas. Bon, je vais appeler le maire après, mais bon, de toute façon, je devais le faire, mais j'avais oublié. Mais vous êtes chiant, du coup. Me dites pas trop. Mais c'est normal que vous voulez savoir aussi, tu vois, donc c'est compliqué. Bon. On va voir s'il est là, quand même. De toute façon... J'ai pas le téléphone du maire, voilà, comme ça c'est réglé. Je sais pas s'il y a eu une annonce Wesel News ou quoi. Bon bah je sais pas. Voilà. Billy sait pas du coup. Moi je sais mais je vous le dirai pas. Où est-ce que je vais moi? Ah oui je vais là. Hein? Mais si j'allais travailler à la mine. Non c'est trop chiant la mine. Putain il me faut ce labo de maître aussi. On va faire de la physique chimie là. J'aime bien pousser le RP, on va faire un truc. Poussons le RP jusqu'au bout, bou. C'est vachement discret, hein. Porte du véhicule, arrière. Voilà! Pas mal pour travailler là! J'ai ce qu'il faut! Alors, on y va. On va
Du coup, c'est bien, c'est que je suis vide. Donc, je peux en prendre au moins 58. Allez, c'est parti pour 58. Boum. Il y a des policiers connectés. Oh, que oui. Ce soir-là, je peux te dire combien on a de connectés. Mais le soir, oui, c'est là où ils sont le plus nombreux. Hein. Déjà, il y a Super Pazzo qui est connecté. Donc 54 est connecté, ça c'est sûr. Mais logiquement, au poste, je crois qu'on a droit à... Non, il y a 15 flics. Il peut avoir 15 flics en service. Ce qui est plutôt pas mal. Hein. Là, je sais pas combien ils sont, mais... ce qui est sûr, c'est que... Bébé dort ! Deux fois, Lulu l'a dit, hein. Tetsuka, il m'engueule, quoi. Trop bien, ma princesse. Bah, c'est cool. Bah, profites-en pour te reposer aussi, ma belle. Repose-toi, reposons-nous. Il se repose, vous vous reposez. Salut Audrey, comment tu vas? Tu pourras pas sortir après, hein? Je fais ça. Oui, demain c'est son anniversaire, oui. Mais oui, mais je peux pas sortir après là. Je peux plus sortir. Bah, je passerai par le camion, j'ai une solution. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est bon. Si je monte à l'arrière, regardez. RP parlant, je peux passer là entre les sièges et le. Vous voyez, entre le, derrière les sièges et tout. Donc je peux passer dans le coffre, donc c'est bon. Pff, on est sauvé. On est sauvé, putain. Faut que je change cette sonnerie aussi. Hein. Ouais, la folle. La folle, le méchant. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Lily, ça va? Oui, mais j'adore. Dis-moi. Il faut que tu viennes le voir. Ok, ça marche. Je peux peut-être t'aider. Ok, d'accord. Et est-ce que l'histoire du labo, là, ils ont trouvé? Ils ont des indices? Ils ont un truc? Alors, question de ça, c'est le cher monsieur qui est bobo, qui peut pas okay. être sur le... Sur ouais, les monades, là, ouais, qui se repose, ok. Donc, ça, t'inquiète pas, on va gérer un merci peu pour plus ça, tard, André. Parce que du coup, c'est compliqué. Mais, du coup, si t'as besoin, tu viens au pénis. Ok, bah là, je finis quelques petits travaux manuels et j'arrive. Travaux manuels? Oui. Pas bobo gens, hein? Non. Oh non, j'ai encore tapé personne. Ok, t'es un nouvel homme, hein, tu me l'as dit. Hein. Un nouvel homme, tout à fait. Nouvelle journée, nouvel homme. Ouais, j'ai du mal à te croire, mais je vais faire comme si je te crois, d'accord? Oui, bien sûr. Ok. Ta voiture, elle est réparée? Oh bah, elle est à la fourrière. Mais pourquoi elle est à la fourrière? Oui, elle est avec l'autre. Mais pourquoi? Oui, bah, mais c'est très bien. Qui c'est qui? Du coup, t'as un chauffeur? Qu'est-ce que tu fais? J'ai mon patron qui est avec moi, il va m'emmener au hôpital. J'ai peur que tu te blesses hein, des fois quand même, hein. C'est pour prendre mais soin non, de toi. Non, t'inquiète pas. Bien sûr. Tu me fais confiance quand même. Sur la conduite, non. Hein. Moi je te fais bien confiance sur tes trucs bizarres. Hein. C'est vrai. Bon, embrasse Jacqueline et Josette pour moi. Hein. Oui, t'inquiète, bah, il faut que je les récupère elles aussi. Allez, pourquoi ils sont où eux? Je sais pas où elles sont, je crois qu'ils sont dans un coffre d'une voiture, mais je sais plus laquelle. Ok, sinon tu donnes des noms à tous tes objets ou quoi? Oui, comme ça c'est plus facile pour les reconnaître. Ouais, je comprends. Et? Voilà. Et? Ok. Une dernière question? Oui. Est-ce que tu donnes aussi des noms à tes joints intimes? Je te connais par cœur, stop. Oh, ça va. Je t'en supplie, stop. Laisse-moi tranquille. Bon, tu viens en Bénite après, d'accord? Ouais, ça marche. Allez, à toutes. On se retrouve là-bas. Merci à Erwan Nathan qui a offert un sub à Malulu, d'ailleurs, c'est très gentil ça. Et merci également à Elfinish qui envoie des... Et Jeff Sniper qui envoie des beats. Oh, calmez-vous. Non, commencez pas comme ça. Ça y est, tout ça pour que j'offre des cadeaux à Lulu, ça je suis sûr. Vu que c'est son anniversaire demain, hein, bah là je vais devoir lui payer des trucs. Mais Jeff Sniper, merci encore! Oh, mais doucement quand même. Doucement quand même, vous allez vous blesser. J'avoue, c'est dommage que je peux pas offrir des subs, tu vois. J'aurais pu offrir un sub à ma femme, mais du coup je vais pas payer pour me payer moi-même, c'est tout compris. Il a tout compris, bah oui, j'ai tout compris. Tous les cadeaux pour Lulu! Mais en vrai, vous savez même pas, les amis, que grâce à vous, bah. Moi, je suis chauffeur de bus à côté.
Moi, vous savez que le but, c'est de faire du Twitch plutôt que faire du chauffeur de bus. Merci, Tara Tara. Et donc, effectivement, là, je suis chauffeur de bus. Et en plus, bah, je touche quand même, pas encore mon salaire, mais je touche pratiquement. Bah, je touche un salaire. C'est pas mon salaire, mais je touche ouais, quasiment un salaire, un SMIC, on va dire, grâce à Twitch, grâce à TikTok également. Il y a les deux qui se complètent. Et là, en fait. L'anniversaire de Lulu, car clairement, c'est payé avec Twitch, hein, clairement. Hein, c'est payé avec ça. Donc merci à vous, hein, et c'est grâce à vous. Elfox qui offre 1000 bits! Oh, bande de dingue, 1000 bits! Oh là. Ils vont me rentabiliser ma journée de demain. Ma journée de demain, logiquement, j'en fais un TikTok sur Kiki et Lulu, pour vous montrer tout ce que. Tout ce que. Préparer grand chose, ça va être. C'est ça, c'est rien. Elfinoche qui offre un sub à la communauté. C'est mortel. Ça fait beaucoup de bits, je suis d'accord, ça, je suis d'accord. Hein. Après, ça finit en club échangiste, tout ça. Mais c'est des fous, mais oui, c'est des fous. Tu pourrais tenter un coup incroyable avec Billy et après tu ressors 22 si ça finit mal. Mais c'est ça, en fait, c'est ça ce qui va se passer, Unity. Je pense que Billy, c'est. Billy, là. En gros, pour que 22 reviennent et même fin août, là il prépare son petit terrain ou quoi, c'est soit Billy finit en prison, soit il finit en prison, soit il meurt, on ne sait pas, il peut mourir Billy, en plus vu comment il se met en danger, il peut mourir, soit il a fait un gros braquage, il se casse avec le pognon, non peut-être pas il se cassera le lendemain parce qu'il faut quand même donner du voilà, à quoi que le soir. Je sais pas. Bref, soit il quitte la ville quelques temps pour revenir plus tard ou quoi, pour que 22 reviennent. Voilà. Merci Elfinich qui offre encore 5 subs à la communauté. Merci à toi. On dit merci, ceux qui ont des subs là. Allez, on dit GG. On fait des petits cœurs là, hein, pour. Voilà, pour Elfinich là. Merci à toi. Billy, c'est ton perso temporaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Billy, c'est histoire de changer un petit peu. C'est histoire de changer un petit peu, de voir autre chose et de montrer comment on fait de l'illégal sur le serveur qui a plein de procédés. Il faudrait que j'achète. Et j'ai toujours pas le labo de coke aussi, ça me saoule. Peut-être que les gars ils l'ont. Faut que j'aille au Bénise. Faut que j'aille au Bénise parce que je peux. Ah, la coke ça va être trop bien à faire. On va faire de la chimie aussi. Oui, bah oui, mais bah après s'il meurt, il meurt. Hein. Ça, on va pouvoir rien faire. Hein. Billy, c'est Boucherou des vacances. Non, mais en fait, voilà, en fait, j'avais envie de changer de 22. J'avais envie de, voilà, de faire autre chose. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ressortir Billy? Parce que Billy, en fait, j'y jouais comme ça. Parce que normalement, en fait, on monte pas les points illégaux ou quoi sur le serveur en stream. Et là, on s'est dit, bon, de toute façon, il va bientôt avoir la V2. Donc, les points illégaux, tout va changer. Ça sera la même façon de faire, mais les points vont changer. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on monte les points. C'est pas grave, faut éviter le méta, bien évidemment, pour ceux qui sont sur le serveur. Mais voilà. On monte l'état, ça facilitera peut-être les gens à se dire, tiens, on va essayer de fouiller dans ce là. Et puis, bon, voilà, ils trouvent le point et c'est pas grave, tu vois, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Tu te fais engueuler? Qu'est-ce qu'il a? Oui, bah oui, mais non, mais l'avait deux. Mais non, c'est très bien, comme ça, tu vois, ça me permet de jouer avec Billy. Mais calme-toi, Tom, j'ai rien dit. Il me fait engueuler. Il te manque pas 22? Si, enfin, c'est pas 22 en lui-même qui me manque. C'est la police, c'est l'équipe de police qui me manque, parce que là, du coup, je joue plus avec eux. Donc, oui, l'avait deux, c'est pas tout de suite. Mais Billy sera déjà en prison, sera déjà mort, ou aura dû déjà s'expatrier au Canada. Et 22 sera déjà revenu avant l'avait deux. Hein. Mais du coup, je pense qu'on va attaquer la saison 5 avec 22. Saison 5, je crois. Parce que du coup, vu qu'il s'est passé plein de choses, il y a eu des nouvelles personnes ou quoi, je pense que ça va être une nouvelle saison pour 22. C'est difficile d'être LSPD sur le serveur. Bah déjà, il faut de la place. Voilà. Déjà, ensuite, il faut passer la waitlist du serveur. Après, il faut essayer de rentrer dans la police. Bon, je sais, je connais même pas les critères qui prennent pour entrer dans la police. Je connais pas. Je sais qu'en fait, ils prennent les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être 5 personnes, et sur les 5, ils en prennent que 2 ou 3.
Donc après, je sais pas comment ils jugent. Peut-être à la, ils jugent à la réflexion, à la logique ou quoi. C'est sûr que 22, ça serait maintenant, il serait jamais rentré dans la police avec la logique qu'il a. Mais si vous voulez voir, si vous voulez voir un truc cool sur 22, au tout début de 22, on va dire, enfin 22, il a eu plein de vies, mais au tout début de la saison 1 de 22, regardez, je crois que c'est saison 1 épisode 3. Quand je rentre dans la gendarmerie, quand 22 essaie de rentrer dans la gendarmerie, sur les serveurs comme ça, FR, c'est beaucoup, beaucoup plus strict. Mais c'est 22. 22, il a failli se faire défoncer. Et donc, regardez la rediff sur YouTube pour l'exclamation rediff. Je crois que c'est saison 1, épisode 3, le recrutement ou l'affectation ou le. Voilà, ou 22. Enfin, je sais plus c'est comment ça s'appelle, mais c'est un truc comme ça. La V2, faudra refaire un perso. Non, 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 non. Non, non. La V2, tout le monde garde ses persos. Pour ceux qui veulent. Voilà. Tout le monde garde ses persos. Et ensuite, je vais avoir un problème, moi. Putain, faut que je bouffe. Ok, faut que je me casse. Je vais tomber. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Oh putain, je vais tomber. Ah oui, avec la gendarme folle. Mais oui, la gendarme folle a été complètement tarée. Merci, Xomboss, pour le sub. Oh putain, les amis, je vais avoir un problème. Je suis rempli de oui. Oh là là, oh là là, on est dans la merde. Putain, mais quelle idée de. S'il te plaît, rentre par devant. Non, putain, fais. Je vais crever là-dedans. Comment je vais justifier ça? Je vais. J'ai plus de bouffe. Ok, je vous explique, j'ai plus de bouffe. Là, je vais tomber bientôt. Je ne peux pas rentrer dans le véhicule parce que ce con, il veut absolument rentrer par l'avant. Ce con de perso. Je me suis coincé. Je peux pas pousser. Oh, je vais crever sur le point de weed avec toute la weed. Serait-ce la fin de Billy? Oh là là. Mais je pensais vraiment qu'on. Mais je peux pas rentrer par l'arrière là? Attendez, attendez, attendez. Non, non, on se calme, on se calme, on se calme. J'ai une idée. J'ai une idée. On arrête d'appuyer sur tous les boutons parce que déjà je fais tout bugger. Faut vraiment que je défragmente ce PC. Hein. Là j'ai tout fait bugger déjà. Ok. On se calme. On ne panique pas. Je vais monter. Je vais monter à l'arrière du camion. Je vais me foutre dans le coffre. Il y a bien un coffre dans ce camion. Bon. Ah putain de. Ah ouais, par contre, ça commence à me gonfler ce PC là. Vraiment, il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais en racheter un directement. Tout ce cam. Mais je veux pas pousser mon camion. Oh, mais il y a encore le menu et tout. Ah, vas-y, ça casse les couilles. Ah, il me fatigue ce PC là. Tu lui fais deux trucs et on peut plus de la vie. Comment ils vont sur TikTok? Ils sont sages sur TikTok. On recommence. Ok, je relance le jeu, les amis. Putain, je suis obligé de passer par le gestionnaire de tâches pour le fermer. Insupportable. Allez, on relance. Putain, je vais pas crever là. Si je crève là, les ambulances vont arriver. Ils vont essayer de. Ils vont essayer de sortir le truc. Faut que j'appelle Alex. Faut absolument Alex vienne m'aider. Il y a quelqu'un qui est en ville là. Il y a quelqu'un qui peut venir me sauver en me disant. Faut que je lui envoie un point. Faut que je lui envoie un point. Non mais c'est le processeur, j'ai l'impression que le processeur il monte à 70% quoi. Oh la vache. Ouais, ils sont cool. Ils sont tous cool hein, 07 et tout, franchement, il y a une bonne équipe. Hein. Il y a vraiment une bonne équipe. Hein. Attendez, je vais lancer d'une autre façon le jeu. Je vais pas mourir comme ça.
Quelle idée de ne pas prendre de la nourriture. Mais j'ai complètement zappé, mais j'ai toujours de la bouffe sur moi, mais là vu que je suis mort il y a 2 jours, bah voilà. Alors j'ai pas vu ce qui était HRP, mais c'est HRP si vous me donnez des idées de m'en sortir en fait. Et en plus si vous me donnez les idées et que j'aurais pu la voir, bah du coup je vais pas la prendre en compte. Donc ça veut dire que vous me gâchez une idée, vous voyez? Foutez-vous de ma gueule plutôt, me donnez pas d'idées. Laissez-moi galérer. C'est ça le RP en gros. Laissez-moi galérer. Ah, si je meurs, bon, ça c'est pas grave. J'avais juste un malaise vingal, bon. Ah! Oh, j'ai de la chance! Oh non, j'ai trop de chance. Oh, je suis même déçu d'avoir eu autant de chance. Oh, je suis même déçu que ça a bugué. Que ça a pas. Ah non, bah non, je suis déçu. Oh, je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. Que ça me plaît pas. Et moi, quand ça me plaît pas, siège conducteur. Le jeu! Putain, le jeu. Cette émote, elle, c'est la plus rentable. En gros, j'ai pu sortir parce que regardez la porte, quand je me suis reconnecté, elle est dans l'autre sens. Donc, ce qui m'a fait que j'ai pu ressortir. Donc, moi je joue RP jusqu'au bout. J'étais comme ça. Et je suis comme ça. Voilà. Et maintenant on essaie de s'en sortir. Voilà. Ça c'est du RP les amis. On est bloqué, on n'utilise pas un bug, on se décopare ou pas. Je me suis bloqué comme un con, je reste bloqué comme un con. Merde. Bon. Maintenant, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Non mais... Ouais, mais si le téléphone s'ouvre pas non plus, ça va pas le faire. Hein. Ok. Appelle le 17, ils vont t'aider. Ça, c'est drôle. T'as un problème, mais bon, je suis ministre et alors. Oui, allô? Ouais, Alex, j'ai un gros problème. Oh non, qu'est-ce que t'as fait, Billy, putain? Ben rien pour le moment, mais je vais peut-être tomber dans les pommes. Mais là où je vais tomber dans les pommes, risque d'être très dangereux. Parce que si je tombe dans les pommes, j'ai trop de bateaux sur moi là. Il faut que tu viennes à une position. T'es où? Avec de la bouffe, s'il te plaît. Ouais? Oui. Ok. Parce Hugo, attends, Hugo. Et c'est urgent, hein, parce que là je vais tomber, hein, et après je serai dans la merde, les flics. Okay, les... Vas-y, vas-y, envoie ta pause. Ouais, à tout de suite. Billy. Ouais, viens sur avec quelqu'un de confiance, hein, parce que j'ai pas envie de le tuer parce oui, qu'il aura vu oui, des choses. T'inquiète hein. Pas, non, mmh. T'inquiète pas pour ça. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. T'as l'intérêt de se dépêcher, hein. Moi je constate que tu appelles Alex avant Doudou. Mais parce que t'es pas là. En fait. Bah oui. Tu n'es pas là mon Doudou, j'essaie de t'appeler 2 fois et t'étais pas là. Donc maintenant bah, j'ai appelé Alex hein, tant pis. Ouais, j'essaie de t'appeler 2 fois là depuis que je suis là, depuis que je suis connecté. Dès que je me suis connecté, j'essaie de t'appeler. J'essaie d'appeler Bibi, j'ai essayé d'appeler Bibi, Alex, Lemon. Il y a que Alex qui a répondu. Je joue à la PS5. Bah voilà aussi. Donc je sais que t'es pas là mon Doudou. Sinon bien sûr, je t'aurais appelé en premier.
Elle a pas les clés. Mais oui, elle a pas les clés. Je sais bien qu'elle a pas les clés. On va voir comment elle va se débrouiller. Moi, je vais la laisser faire. Je suis coincé. Démerde-toi. Là, en gros, elle a juste à monter à l'avant du camion. Je monte à l'arrière. Et je me déplace de l'avant à l'arrière. Parce qu'on a vu que je pouvais faire ça. RP parlant. Parce que on peut voir. Non, bah laisse la porte ouverte. Laisse la porte ouverte! Putain, il me la ferme sur la gueule ce coup. Putain, je vais crever. Je vais tellement crever. Parce qu'on peut voir que là, je peux passer de l'avant à l'arrière du camion. Donc, admettons. Sauf que je peux pas m'y mettre. Vu qu'il n'y a personne devant. Donc voilà. Après, vu qu'Alex n'est pas très fut-fut, je sens qu'elle va faire la même connerie que moi, qu'elle va rentrer et qu'elle va se bloquer. Et là, on va rigoler. Et là, on va rigoler. T'es vraiment un génie des bêtises. Mais putain, j'en peux plus de moi. Live bugué sur TikTok. Je regarde ça en attendant que je traite la weed. Ah, c'est pas que là il l'a bugué, c'est que la caméra elle est mal mise. Voilà, je vous remets ça sur TikTok. Merci pour les infos les amis. N'hésitez pas à venir sur Twitch directement. Au moins vous voyez tout. C'est plus joli Twitch. Allez, on est bien. Voilà, comme ça vous avez le jeu sur partout. Donc voilà, donc là on attend qu'Alex revienne. Hein. Ah, Tom, bonne question. Qu'est-ce que ça va apporter ? Dans le dictionnaire, tu recherches bêtises, tu as kiki en définition. En tout cas, c'est cool que tu joues réellement RP. Bah ouais, sinon c'est utile. Mais moi, j'aime pas. En fait, j'aime bien perdre. Le but du RP, c'est de perdre, c'est de gagner. Là, j'ai fait une connerie. La connerie, elle s'est enlevée en déco-reco. J'aurais pas dû déco-reco à la base. Ça aurait dû rester comme ça. Bah, je me remets dans la même position que j'étais. Voilà, c'est tout. Ça me paraît logique après, mais moi, après, c'est ma logique à moi, tu vois. Des fois, je vois des TikTok, même de gros streamers. Hein. Alors, je veux bien que de temps en temps, on fasse le con, tout ça, et que des fois, bon, voilà, il est tard, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde sur le serveur. Bon, tu fais un peu les cons, quoi. Mais des fois, il y a des trucs abusés. Où tu vois que le mec, c'est tout le temps, c'est les mecs, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne dirais pas de nom. Hein. Si tu as de l'herbe autour de toi, mange un peu, ça peut te faire du bien. Drôle ça! Y'a quelqu'un qui est arrivé. Sortir mon marteau au cas où. Qui est là? Qui est là? Dénoncez-vous! Ou taisez-vous à jamais! Ah, Alex, c'est toi? On m'entend pas, je suis à l'intérieur du bâtiment. Ah, c'est vous? Oui! Sors! Bah non! T'es marrante! Ah bah oui, mais y'a un camion qui bouge là! Bah oui, bah c'est mon camion, je sais bien! tu vois bien le problème, non? Billy, je vais voler ta voiture! Non, non, non! Bah non, ne vole pas, non! Non! Bah non, les voisins vont appeler les flics! Attendez, je réfléchis! Trouvez une solution, bordel! Putain, mais Billy, je vais le buter! Je peux pas pousser! On peut pas te traquer. Comment ça il est con ce mini tu... Eh, j'ai mon marteau dans la main toi. Attends que je sorte. Mets-le. Tu veux pas que je vienne te pousser avec ma voiture? Non, j'ai l'idée. Monte devant. Monte dans le camion, je t'autorise à monter dedans. Ouais, ça y est. Ah, je vais passer par l'avant. Bouge pas. Je suis dans la voiture là. Ouais, bouge. Bah tu peux descendre, c'est bon. Normalement, je vais. Oh merde. Et c'est coincé ce con-ci. Mais non. Je suis. Comment il a fait? Alex? Tu m'expliques comment t'as fait? Oui, c'est bon, je suis passé par l'avant. Eh, hey, toi tu resteras 5 minutes de plus parce que t'as dit que j'étais con. Viens là. Arrête de gueuler, quoi. T'as besoin de bouffe là, du coup. Oui, bah oui, sinon je vais tomber, oui. Ah bah il a réussi à sortir. Bah comment il est rentré là-dedans? Attends, bouge pas toi, arrête de parler. Tu me déconcentres. Viens là! Mais putain, mais. Mais tu bouffes ma bouffe! Donne-moi de la bouffe, je vais tomber! Oh, je vais pleurer! Allez, je vais faire une comédie là. Bouge pas, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il est pas sorti lui! Mais non, je peux pas, j'arrive pas! Bah oui, hein, t'as vu, c'est con, hein! Tu l'as ou pas? Range ton marteau!
Il a dit que j'étais con quand même. Bon, est-ce que faut que... Ah, merci. Ah, putain de la bouffe. Oh putain, Billy. Je viens de le voir à l'avant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Ah bon. Oui, carrément. Tu m'expliques comment t'es arrivé là? Enfin, dans cette porte? Hop là. Tu m'expliques comment t'as fait pour arriver dans la porte? Mais c'est, mais c'est parce que je voulais être tranquille, tu vois, que pour faire ce que j'avais à faire. Tranquille jusqu'à te mettre en danger. Bah c'est bien, oui, ça. Ah, oui, bah là j'étais vraiment en danger. T'es un génie incompris, toi, t'es vraiment un génie incompris. Oui, bon, bah là c'est une petite erreur de. De bon, débutant. De, voilà, de débutant. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai la putain de dalle, j'ai pas le temps de manger. Putain, viens là, manger. Toi aussi, viens là, toi. Ouais, vous venez sans bouffe, c'est quoi ça? Mais elle m'a dit j'ai besoin de quelqu'un pour sauver mon meilleur ami, donc du coup je suis parti. Meilleur ami, ça va. Ah, meilleur ami, carrément. Non, 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 mais là c'est lui. Tu m'as friendzonné quoi, putain, je suis dégueu. Non, mais c'est lui qui rajoute des mots. Non, mais, ah. Putain, mais laissez-moi tranquille, tu donc, l'as reçu ou pas? Donc tu m'as pas friendzonné, c'est cool. Mais non, mais. Enfin, oh putain, c'est bon, c'est bon. Heureusement que t'étais là, Alex, quand même. Merci, Alex. T'as fini ou pas, Billy? Non, j'ai pas fini, mais. Bah bouge ton cul pour que après tu viennes au Bénise là, il veut te voir. Ouais, bah je vais alors. Ouais, mais... moi j'étais pas là moi. Si, t'étais là toi, merci à toi aussi, mais tu m'as dit que j'étais con alors bon. J'ai plutôt envie de te mettre un coup de marteau qu'autre chose quoi. Disons Billy que là t'as pas été très intelligent quoi. Effectivement, il y a peut-être une erreur de manœuvre. Merci Gogo pour les 200 subs. Hein. Tu peux conduire ton burritos là ou je sais pas quoi là. Ouais, je vais t'apprendre à conduire. Vas-y, je vais monter, allez. Parce bon, on se rejoint au Bénis, Tom. Allez, va. Bien sûr, comme d'habitude, je suis tout seul. Hein. Mais non, mais c'est que je veux conduire son truc. Ouais, bah, J'espère que t'as pas peur. Hein. Non, 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 tu conduis doucement, sinon je le reprends. Hein. D'accord? Tu me fais confiance ou pas? Oui, je te fais confiance et tu viens de me. Je te dois bien ça. Mais bordel, ma bille, pas mon burrito. Ah, t'es clé. Je crois que je suis en train de faire une connerie. Mais non! Bon, quand t'auras décidé, hein, tu me donneras tes clés. Tu m'as friendzonné ou pas? Non, oui, non, putain, allez, donne-moi. Oui ou non? Tes clés? Tu m'as friendzonné ou pas? Tes clés? Est-ce que tu m'as friendzonné? Mais, Billy, tes clés? Est-ce que tu m'as friendzonné? Je suis dans la friendzone ou pas? Tes clés? Est-ce que je suis dans la friendzone? Tes clés? La bonne réponse. Tes clés? La bonne réponse. Tu veux que je cherche les clés? Non, non, surtout pas. Tiens. Alors, les clés, ah, putain, merde. T'es. Ah oh, putain, mais t'es vraiment... Tu mets un point sur le bénis, s'il te plaît. Oui, tu... Et... J'ai, alors, par contre, j'ai beaucoup de... Non, 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 j'explique un truc, moi. D'abord, j'ai beaucoup de matos, là. Donc, okay, tu me fais pas griller et tu me plantes pas au radar. D'accord? Ok. Ensuite, je t'explique, moi. Oui. Tu t'attaches correctement et oui. Si tu réponds pas, c'est normal. Non, parler non, non. Ou conduire, faut choisir. Non, 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 non. Mais moi, je vais te refaire le code... Je vais t'apprendre à conduire, parce que... Bon, quand tu mets le point ou... Deux secondes. Oh, putain. Oh putain, ça va voler. Tu t'attaches. Eh, c'est bon, je suis attaché. Ah, doucement, tu vas trop vite. La porte derrière. Oh putain, ça y est, là, c'est bon, c'est fermé. Voilà, à gauche, doucement. Voilà, super. Bah c'est bien ça, bah voilà, bah t'as fait des progrès, non? Ah, le grillage. Non, ça va. Oh là là. Oh putain. Je crois que je vais dégueuler le burger que tu m'as donné. Voilà, hop là, super. Impeccable. Le poteau, reste sur le chemin. Doucement avec le volant. Oh là là. Prends... Je te jure, ça va pas le faire. À droite. Comme ça. Prends par la droite. Ok, l'autre droite. Mais c'est pas grave, prends par la gauche, c'est le GPS, t'as raison. Prenons la grande route avec 15 kilos de weed dans le coffre, y'a pas de soucis. Oh là là, les dépassements sur la jaune. Oh là 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 là, elle se rabat trop tôt. Elle a déjà fait une rayure. Bon. Alors, tu prends la deuxième sortie, pas la première, pas celle-là. Voilà, la deuxième. Qui est à gauche. Attention le. Oh là là, il a failli rayer la droite. À gauche là. Mais où est-ce qu'elle va? C'est à gauche là. Oh là 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 là. Ma mamie, mon camion. Mon dieu, mon camion. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là là. Pourquoi je t'ai prêté les clés? Non, doucement, la marche arrière. À gauche. Gauche, voilà, voilà. À gauche et à droite. Voilà, tout droit. C'est bon, t'y es. Voilà, c'est bon, t'es dans la bonne voie. Voilà. On passe entre les deux plots, hein. Entre les deux trucs, hein. Voilà, entre les deux. Oula, oui, putain, tu me fais peur, hein. Voilà, impeccable. Ok, l'angle mort, ça n'existe pas. Il n'y a pas de problème. On s'est inséré. Nickel. Bon, bah voilà, c'est plutôt pas mal, là. Hein. Oula, oula. Ouais, reste dans une voie. Hein. Choisis ta voie. Essaye de ne pas changer, quand même. Non, là, c'est pas une voie, ça. Oh là 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 là. Oh là là.
Je crois que je vais... Ah, par la fenêtre. Ouais, bah, arrête de faire des gauche-droite, hein. Bah, c'est cool, c'est qu'avec le burrito, je pense pas, mais bon... Vu qu'il avance pas trop, pourquoi ce coup de volant d'un coup? En douceur, en douceur. Tu vois, c'est comme une femme. Le burrito, c'est en douceur. D'accord? En douceur. Oh là là, putain. Oh là là. En plus, j'ai eu la bonne idée de me mettre de près. Oh là là. Ça, c'est fou quand même, hein, tenir un volant droit, c'est pas dur à la base, hein. Ah, putain. Ah là, voilà, il y a des murs, il y a des... Oh là là, on va crever. Il y a plus d'essence, va falloir que tu passes à la station. Mais à quoi sur la station? Oui, mais t'arrêtes pas sur l'autoroute. Mais qu'elle est complètement dingue. Là, non, ça raye, elle a rayé. Et tu paieras les frais de réparation. Je mets un point sur la station, avance. Il y en a une sur la route. Il veut bien avancer, mais il avance pas. Comment ça, il avance pas? Qu'est-ce que t'as? Appuie sur l'accélérateur, t'appuies sur le frein. Putain, elle est où la station la plus près là? Mais jamais de la vie, on va arriver jusqu'à la station là. Tout droit. Oh là là. Il y a des voitures devant. En fait, 22, on dit pas si mal que ça, j'avoue. Voilà, parfait. Impeccable. Il y a un feu rouge. On s'arrête au... Oh putain, on va crever. Ah bah oui, c'est pas après qu'on s'arrête, hein. Oh là là. Ah là là. J'avais pas d'appel à... Je voulais pas téléphoner, moi. On a failli aller dans une cabine, mais... Voilà. Après, c'est feu rouge. Bon, pas de soucis, en fait. Les couleurs, on connaît pas. Là, c'est feu vert. On s'arrête pas. Elle a failli s'arrêter au vert. Putain, à gauche. Doucement, je t'en supplie, doucement, la station. Alex, franchement, j'ai pas envie d'exploser. Pas avec ce que j'ai, donc. Doucement, Alex. Oh putain, heureusement qu'il y a des boutons. Faut que je descende, je veux descendre. Voilà, je vais reprendre la suite, hein. Ouh. Ah oui. Mmh. Mais je suis trop loin. T'es choqué, là? C'est pas possible. Problème de motricité, va falloir que je l'aie. Bah, Billy! Mon camion! Oui! T'inquiète, je prends les frais, mon petit Billy! Oui, prends les frais, on a fait exploser! Regarde. Heureusement qu'il y a des bornes jaunes! Regarde comment t'as ri! T'es pas Marseillais, toi, à part ça! Pardon? Tu as tapé la borne jaune, là, quand même! Hein. Heureusement qu'il y en avait une, il n'aurait pas, on aurait tapé la station! Alors, me dis pas que je suis Marseillais! Et arrête de chuchoter, bordel! Mais je chuchote pas! Et arrête de gueuler, bordel! Mais je gueule! Mais faut savoir, hein! C'est bon, non? Allez, réservoir plein. Non! Si. Non, pousse-toi! Non! Allez, on est à côté, Billy! Non, c'est bon! Billy! Il y a assez de dégâts comme ça! Monte! Oh. Allez! Si tu sais pas conduire, je te frappe! Moi, je sais pas conduire? Je suis un pilote, moi! Oui, bah, je sais pas, on verra! J'ai fait du NASCAR! Est-ce qu'il faut que je mette mon harnais? Ton harnais de quoi? Mon harnais! Non, ça va pas assez vite pour mettre ton harnais, t'inquiète. Je sais pas, mais y'a toi. Mais oui. On va peut-être respecter les feux parce que c'est pas comme si bah, que. Oh, je respecte, hein! Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas comme si que si on se faisait arrêter, fouiller, palper, que j'avais. Oui, bon, ça c'est un détail. Oui, bah oui, bien sûr, c'est un détail. Hein. Je transporte avec. Oui. J'ai au moins 25 kilos de weed, mais attention sinon. Non, c'est bon. Billy? Ah! Ah la vache! Mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu me dis fais attention, mais c'est pas que je prends des potions. Je veux gratter, vous avez vu que je me suis gratté comme ça? J'en ai marre là! Allez, tu veux que je prenne le temps? Non, c'est bon. Bon bah, il y a besoin de réparation du coup. Je te jure que j'ai pas ce qui s'est passé. Oui, bah regarde devant toi, s'il te plaît. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis gratté, mais je suis trop con, putain! Là, je t'avais dit que j'étais pilote de Stacar. Mais tu passes encore une fois. Je vais lui rouler dessus, il est con lui ou quoi? Il y a des gens. Mais c'est lui là. Putain, ça fume, regarde ce que t'as fait.
Je te dis, je suis pilote de NASCAR, moi, je défonce tout sur mon passage. Bonjour. Tu as fini dans un Monsieur, poteau. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bah, ça serait pour faire un petit coup de polish, y'a rien de grave. Y'a rien de grave. Ouais, bon. Je l'ai peut-être un peu enfoncé, mais. Y'a un poteau qui me gênait. Les clés de mon véhicule. Je l'aimais pas, le poteau. En plus, j'ai conduit, j'ai même pas fait d'accident. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Eh ben, enfin, t'es rôle là, toi. T'étais pas. Ben oui. Eh ben, c'est pas ta voiture derrière, en fait. C'est ma voiture, c'est ah bah, elle va mieux, dis donc, ils ont bien travaillé, hein, mes cadeaux. Vous voulez les clés peut-être et que je l'ouvre, hein, c'est mieux. Ah, comme ça, ouais. Ouais. Ah, à tout hasard, hein, bien sûr. Admettons que vous avez besoin des clés. Bon. En toute amitié. Oui, bien sûr, en tout bien, toute honneur. Hein. Yep. Quoi, vous savez, personne à proximité. Je les ai toujours pas. Hein. Bah oui, oui, bah oui, bah, j'ai été trop vite, excusez-moi. Hop, on va bien fermer la porte. Voilà. Allez, c'est bon, c'est parti. Bah, prenez-en soin. Hein. Toujours. Oh, l'épave. Qui a dit l'épave? Qui? Qui a dit l'épave? On dit pas l'épave. C'est mon bébé. Alors. Merci. Allô. Excusez-moi. J'ai perdu les clés de mon char. Je suis rentré dedans. Quel char? Vous avez un tank? C'est un tank, un char. Il roule en tank, le monsieur? Eh, vous avez un tank? J'en veux bien. Mais non, mais non, mais non. J'en achète un, moi. Ça, j'achète tout. Enfin, c'est mon truck. C'est mon truck. Mais non. Qu'est-ce que c'est? Un truck, ça. C'est quoi? C'est un camion truck. C'est un camion. Ouais, en fait, j'ai plus les clés. C'est un québécois, donc char, ça veut dire voiture. Ouais. Oh. Attends, je crois qu'il avait un char. Je vais tenter un truc. C'est débile, en fait, les deux, il y en a pas un pour un. Bah, je connais pas le québécois, moi. Je parle pas le québécois. T'as changé de coupe de cheveux, toi. T'as vu, j'ai coupé mes cheveux, ça me va. C'est pas beau. Hein. Mais ta gueule, toi. C'est vrai, désolé. Pourquoi t'as pensé si fort, mes pensées? Bah oui, merci, il chante. Ouais, ouais. Mais remets tes cheveux lisses, t'es chiant. Billy, est-ce que ça fait bien? Ouais, j'aime bien, moi je préférais avant, mais c'est pas trop mal. Oh, mais vous êtes voilà. Chiant! Voilà. Ah, tu demandes? Tout le monde mais dit oui, ça. Mais ça te change, ça te change. Bah ouais. On va pas dire, ah, oh, c'est joli, gna gna gna, c'est mignon, gna gna gna, nous on est des mecs francs, quoi, c'est tout. La belle chemise à carreaux, en tout cas. Ah, merci. Un truc, mais ça va pas être beau, ça va pas. Ça, c'est nice. Eh ben voilà, ça y est, c'est vexé. Ils sont bien comme ça aussi, hein, mais ils étaient bien aussi avant. Ouais, les deux, ils sont bien, je veux dire. Mmh. Ah ouais, tout à fait. Me menace pas quand on est en panne en plein milieu de la route, là. Okay. J'ai envie de dire un truc, mais j'ai rien à dire. Allez, prochaine fois, je te... Tu vas faire quoi? Eh, attention, je te fais la bise à droite avant à gauche, ok? Tu n'aurais pas? Bien sûr, et moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Non, non, non. Ouais, hein, eh ben, toi-même. Ouais, allez, va là-bas. Où ça? Là-bas. Allez, nettoyez, c'est bon, nettoyez déjà. Ah, elle va chier, toi. Comment c'est une de passer. Vas-y, nettoyez. Petite question, du coup, on devait discuter avec qui? T'énerve pas, tu vas te blesser. Oui, t'inquiète, il arrive. Bah, il répare ta voiture en fait. Ah, ok. Ça fait de la pub en plus. Ah! Psst. Du coup, c'est qui paye? T'inquiète. Ah, parfait. Je te demande pardon? C'est moi qui paye. Avec mon argent, du coup. Oh, c'est bon! Tu me fais la taxe? Il est bien propre, hein? Attention derrière. Tia. Dis-moi la facture. Bah, si, en vrai, ça fait un moment qu'on roule avec et il n'y a pas de facture. Bah, ah, ouais, c'est vrai, la dernière fois qu'on l'avait réparé, c'est quand j'avais crevé. Si, c'est pour ça, il préfère. Ouais, c'est bon, elle est toute propre ta voiture. Ouais, impeccable. Tu peux monter dessus? Non, tu montes pas. Non, putain, tu as un oreiller, descends de là, bordel. Descends de là. La, 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 la. Tu veux que je monte? Billy, tu ranges ça. Tu descends? Billy, tu ranges le tu descends? Tu descends? On se calme avec le marteau là. Ouais, s'il vous plaît. Eh bah, descends de mon camion. Alexandra, tu Alex, descends, putain. Hugo, tu viens? Non, j'ai pas faire ça, excuse-moi. Tu vas rayer mon camion. Alex, tu viens, s'il te plaît. Putain. Incroyable. On va peut-être le fermer quand même, parce qu'il est quand même plein. Ouais. Je vais faire un truc là, vite fait, j'en ai pour 2 secondes. Et après, tu restes là parce qu'après, tu vas parler avec quelqu'un. Ok. Tu vas t'aider.
ça marche. Si tu veux parler à toi, là. Hein ? Ah, y'a de la musique. Y'a de la musique. Partons. Ah, vous aussi, vous aimez pas trop la musique ? Et là, mais y'avait rien, et donc quoi, y'a plein de oui, musique. Oui, derrière, oui, y'a plein de musique. Ah, bon, je vais traverser, tiens. Ah, bah voilà. C'est mieux. Ah, oui. On s'entend. Ah, c'est chiant la musique. Hein. Ils mettent des musiques de merde en plus. On s'éveille un peu une. Hein. Oui, attention au tram quand même. Attention. Thomas, le train va passer. Aïe. Mais pourquoi j'ai. Non, je voulais pas faire. D'accord. Attention. Non. Bah non, en fait. C'était pas ce qui était prévu. Eh, hey, vous êtes fort, monsieur. Ouais, ouais, je suis très agile. Oui. Lily. Oui. Athlétique. Alors, là, je vais pas être à côté de toi. Donc, la personne qui est là-bas, oui. Tu la touches pas. Mais je touche personne, moi. Non, mais. Tant qu'on... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Même s'il t'énerve, tu touches personne. Mais parce que là-bas, c'est mon patron. Oui. Là, c'est le gouverneur. Et là, c'est des amis. Non, mais je touche personne, moi. Je suis gentil, moi. Ouais, je suis un ami. Ah, il me rappelle quelqu'un. Ok, moi, je me rappelle quelqu'un. D'accord ? Oui. Ouais, pas de soucis. Ok. Tu es sage. Oui. On est bien d'accord, ça coupe des cheveux. Tu crois que je suis sa mère hein. Tu crois que c'est ma mère ou quoi? On pourrait croire, hein. Ouais, elle est du mal, ouais. Des fois. Hein. Tu sais, parfois, on voudrait appeler maman. Allez, donc, des fois, t'as envie de m'appeler maman? Moi? Non. Et vous faites ce que vous voulez avec, dans vos histoires, hein, dans le lit ou quoi, hein, ça me regarde pas. Hein. Oula, c'est très blanc ça! Ouais. En tout cas, c'est pas tout noir, tu sais. Non. Yo, mon chat! Oh là là! Oula! Heureusement qu'il y avait un mur pour protéger! Heureusement qu'il y a un mur! Oh la vache! Eh, ma moto, elle a volé aussi! Ah oui, oui, votre pauvre moto là, madame, alors elle. Ah, il y a des reflets bleus sur ton. Mais oui, mais elle est toute dégueulasse, tu vois pas là! Je sais pas, la dernière fois que. Vous avez fait de l'off-road un peu là? Si, on bon, peut. Il n'y a pas de plaque là-dessus. C'est normal qu'il n'y a pas de plaque. Ah ouais. Il peut pas en mettre. Oh, c'est trop bien, j'en veux une. C'est une BF 400, ça coûte 40 000. Ah oui, mais c'est quel pays ça? C'est quelle origine? Ah, c'est japonais, je crois. C'est quoi? Japonais, je crois. Ah, pardon, Berk. Non, non, c'est bon. Non, c'est pas américain. Non, si, dans les années 70, ah ouais, tu crois? Ouais. Je crois qu'ils faisaient ça dans les années 70. T'as vu le petit moteur que c'est? Ah, c'est pas obligé qu'il. Ah, ils faisaient pas forcément des. Ça, c'est une 125, je pense. Ouais. Ça doit pas être un. Eh, hey, c'est quoi? Il me rappelle plus où des. 125. D'Italie. Ah, bah, je sais pas, de toute façon, tu l'as acheté comme ça. Si, à 40 000. Voilà. Bah, alors dis-moi. Bon, attends, est-ce qu'il a fini le truc? Viens. J'ai du mal à te relever, hein. Quoi, il se fait debout, non? Je crois que le gouverneur il a de l'argent. Le gouverneur, ouais, il est. Ça y est, tu fais la gueule? Ta gueule. Ah ouais, ok, d'accord, direct. Allez par là. Non, allez, viens. Bon alors, dis-moi tout. Bah, c'est à toi de me dire, Billy. Non, comment ça, c'est à moi de me dire? Explique-lui ta. Moi j'ai besoin. Ah, moi j'ai besoin de thunes, clairement. C'est pas plus clair, c'est la crise, c'est la dèche, j'ai besoin de thunes. Donc j'ai besoin de boulot. Ok? Ouais. Voilà. Et apparemment, t'as du boulot à proposer. Moi, je me salis les mains. T'as besoin de cash que je casse la gueule à quelqu'un, je casse la gueule non, à quelqu'un. Range ça. D'accord. Ça me plaît, ça. Voilà. Oui, si t'as besoin. Mais oui, moi, je suis le sale boulot, ça me connaît, d'accord. Donc, si y a... tant que c'est bien payé, le sale boulot, je le fais. Mais par contre, faut que ce soit bien payé. Tom, tu reviens, s'il te plaît. Je suis quelqu'un de discret. Ok. T'as besoin de combien déjà pour commencer? Comment ça, combien? La dette. La dette que j'ai là? Ouais, t'as besoin de combien? Là, pour les flics là, il faut que je leur dois 11 000. Ok. Je te file 20 000, je récupère combien sur ces 20 000? Bah 9 000, c'est quoi cette question? Ouais, donc y a pas de pourcentage pour ma gueule quoi, je me fais baiser. Ah oui, non, d'accord, ah, non, mais non, oui, d'accord, oui, non, mais j'avais pas compris, moi j'ai besoin de 11 000. Tu me passes 11 000 et je sais pas, je te rends 20 000 si tu veux. Ouais. Allez, on fait ça. Tu vas partir avec Alex. Ouais. L'équipe de choc, dis donc. Elle va tout te montrer, elle va tout t'expliquer. Pour commencer, c'est 50% pour toi, 50% pour moi. D'accord. À la fin de la semaine, redistribution à tout le monde. Je garde 25% sur la totalité. La totalité, ouais, ok, d'accord, mais ok. Elle va tout t'expliquer en détail. Et
réfugié du coup. Tu vas avec Tom, tu les avertis. Non mais c'est quoi ça, c'est pour faire quoi aussi? Elle va tout t'expliquer. Ok. T'inquiète Billy, tu fais. Si c'est pour faire ce que je fais tout seul, c'est pas la peine hein. T'es tout seul, on est 6. Donc je suis on rapporte plus. Voilà, fin de semaine, bénéfice net chacun, on est environ à 200 000 chacun. C'est toi qui choisis. Non mais. Ouais, mais enfin, c'est quoi, c'est toujours. Ben, c'est toujours pour. Ça pète de tout en fait. On commence petit, Voilà. On commence petit pour l'instant, on essaie de se faire oublier. Disons que c'est compliqué en ce moment en ville pour ça, nous. Ça a grave merdé, on a failli se faire toper, on se fait oublier 2-3 jours et on réattaque. D'accord. Et je suis sûr que si tu deviens mon garde du corps, tu pourrais peut-être avoir un peu plus aussi, hein, Flavou. Ça, on verra sur le canapé, hein. Oui, bien sûr, allez. Je te laisse faire. Ok, dis à Tom qu'il vienne avec nous alors. Tom. Attends. Ouais, mais attends, moi j'ai besoin de savoir ce que je fais, je m'embarque pas dans... Oui, mais reste à côté de moi, mais t'as un verre dans les fesses, toi, c'est pas possible. C'est quoi ton IBAN, Billy? Ouais, attends, ouais. Attends avant de m'envoyer quoi que ce soit, je discute un peu avec Alex et je te dis si je suis ok vas-y, ou pas. Ok vas-y, Je m'envoie un message. Ouais, ok. Oui, t'inquiète. Alors, je t'explique. Moi j'ai besoin d'en savoir plus avant de m'engager là. On va faire des choses, ok, je veux savoir ce qu'on va faire. Oui, si ça vaut le coup. Z, d'accord. Tu as essayé un peu le yoga? Non, même pas. Non, trop lent. D'accord. Donc je t'explique. Nous en ce moment là, depuis cet après-midi, on est en pleine vente de weed. Okay. Mm-hmm. Donc ça, si t'en vends, c'est 50-50, comme il t'a dit. Tu gardes la moitié pour toi. Ouais. Donc on commence comme ça, petit à petit. Ensuite, il y aura peut-être plus d'OPEX, on va dire. Mais ça, c'est par la suite, c'est contre quelqu'un. Mais ça, pas le coup. Pour l'instant, on attend les dernières infos. Ouais. Okay. Et bah, comme on t'a dit l'autre fois avec Angel, la méta, on va essayer de... La méta, pardon. On va essayer de... De retrouver le labo. Voilà. Okay. Ça va être la chose la primordiale qu'on va devoir faire, c'est le trouver pour essayer. Okay, parce que ça peut nous rapporter quand même masse de thunes pour toi, pour nous, pour tout le monde. Ok. Ouais, ok. Là, pour commencer, je te propose vendre de weed parce qu'on est blindé. Ok. Mais parce que là, vous l'avez déjà traité et tout. Ah oui. On a traité, on a récolté, on a traité. C'est dans les petits sachets. Et puis, pour vendre. Donc, à toi de me dire si t'es OP ou pas. Le truc, c'est que ça, je peux le faire tout seul. Oui, sauf que t'auras une sécurité en plus si t'es avec nous. Disons que tout seul, tu peux vite te faire attraper, qu'à plusieurs, on peut vite te protéger. C'est à toi de voir. T'es peut-être un agneau, un petit agneau solo, mais quand on est plusieurs, crois-moi. Ils savent pas que je suis avec Bibi et Doudou. Ça peut être intéressant que. Sachant que toi, ouais. Tu dois être pas mal surveillé aussi avec nous. Bien sûr. Oui, parce qu'on va pas dire que t'es un enfant de cœur, quoi. Non, bien sûr. Bien sûr. Même si t'es un nouvel homme. Écoute, moi, je veux bien lancer là-dedans. Ok. Mais après, moi, tu sais que moi, ce que je veux travailler, c'est la meth. Et c'est là-dedans. Ça, c'est... Nous aussi, on veut travailler sur ça, mais je pense qu'on est dans le même problème, là. Sachant que moi, je peux fournir des choses, et vous pouvez fournir, si vous pouvez fournir le labo, on pourra faire ça. Ok. Totalement. Ok, on peut tenter ça. Sachant que nous, avec le Beniz et le Weather News, on a une protection en plus. D'accord. Ouais, des infos et tout qu'on peut savoir, quoi. Voilà, totalement. Ok. Mais il a un nom, votre groupe, ou c'est comme ça, c'est juste... Pour l'instant, disons qu'on s'est oublié, donc on va dire qu'on n'a pas de nom. Ok, d'accord. Merci la gueuse. Okay. Tu es un aidron, mais tu es bien. Ouais, ok, je veux bien faire une période d'essai. Une période d'essai. Pas de soucis. Donc, tu vas venir avec moi, déjà il va t'aider pour ta dette au flic, comme ça tu vas pouvoir le relancer. Ok, non. Ça marche. Ça, c'est la première chose, comme ça, ils pourront t'oublier un petit peu. Et putain, attends, il faut que je prenne la radio. Deux secondes. Vas-y. T'as une radio, Billy? Non. Bon, Bill. Ah bah t'es là, toi. Oh putain, qu'est-ce que c'est?
Par contre, il va nous falloir une voiture plusieurs places. On vient avec vous. Ah, mais pourquoi on y va tous les quatre? Ben oui, on va au QG là. Je vais lui montrer. En fait, Billy il est avec nous. Attends, je vais voir. Chaton, t'es là avec moi. Putain, mais dans ce cas, je vais chercher mon 4. Ah, attends, j'ai peut-être mon 4x4 ici. Attends, j'arrive. Cherche ton 4x4. Et bien sûr, Billy, je te fais confiance. Hein. Pas de soucis. Confiance, confiance, tous les deux, ok? Confiance, confiance. Ouais. Ah bah c'est sûr que t'es super discret toi, dis donc, hein. Bilou. Bilou. Non, Billy, oui. Non. Non, c'est non, quoi, non. Ton event, hein. Allez, Billy Jean. Billy is a kid. 107. Tu peux enlever ton doigt de là, s'il te plaît, Billy. Ouais, alors le Billy the Kid, c'est pas oublié, j'ai, et le Billy Jean non plus, ok. Ouais, ok, on se met au clair. Ouais, c'est clair. Vas-y. Enlevez mon doigt. Merci de fermer la porte, hein. Pas de soucis, avec plaisir. Donc, QG du coup, attends. Attends, je sais où c'est, frère. Tu m'as dit quoi, Billy, déjà? 107? Je sais plus, moi. Non, ça, 107. Tu t'appelles Billy? Ouais, 107, ouais, ouais, c'est ça, 107. Non, mais une équipe de bras cassés, vraiment. Oh putain, oh, j'ai mal aux yeux. Ah, c'est bon. Je me traduis distrait avec ça. Oh putain, j'ai mal aux yeux. T'as un gars là-haut. Ah merde. Non, c'est bon. Non, par contre tu roules bien parce que sinon je prends le volant. Et serait j'ai mal aux yeux, d'accord, donc tu vas te détendre. Et ben je prends le volant. Ah, rien du tout, je te lève pas de mon 4x4. T'es mort. Oh là là. Pas mon volant, mort au tournant, je te rappelle. Hein. Ouais, et ouais, quand je vais t'en mettre une, tu vas voir que ça va être la mort au tournant aussi. Vous voyez ce que j'écris les amis? T'aurais dit quelque chose, oui je t'aurais laissé mon volant, mais là tu l'as pas encore dit. Donc... Oh là là, c'est qui me parle? Non, c'est pas qui me parle, c'est qui est-ce qui me parle. C'est qui ça? Voilà. Et du coup, Billy, il est sur la radio ou pas encore? Ah, bah pas non, encore, il m'en faut une. Il lui faut une radio, t'en as une? Non, moi je me sers du putain, téléphone. Putain, mais je suis trop con, j'en avais un. Bah, Billy, sur ton téléphone, tu vas télécharger l'application radio. Ok, ça marche. Vas-y, fais ça et tu me dis quand c'est bon. J'ai envie de chanter. Elle est avec moi. Tu peux chanter? Que dalle, sinon je sors ma boiteuse. Oh. Allez, un petit peu. Attends, fermez-la. Tu m'as dit quoi, Flav? Alex, c'est bon de la part de Flav. Ok. Billy, c'est bon. Dis à Flav qui se met sur la radio. Il est déjà sur la radio. Mais pourquoi je l'entends pas? Il est avec moi. Qu'est-ce qu'il fait, Billy? Serait-il lancé dans un double groupe? Je sais pas, moi je fais que sur les ordres. Hein. J'avais pas pris la bonne. Moi je fais que sur les ordres, hein. Mes couilles. Il craint rien, mon burrito là-bas ou... Non, Flavien? Hugo? Hugo? Ils sont occupés, ils sont en train de travailler. Pour une fois qu'ils travaillent. Ah la peste. C'est quoi l'appli? Est-ce que vous pourrez... Radio. Est-ce que vous pourrez faire attention au burritas là, au burrito, je sais pas quoi, de Billy? Merci. Personne s'en approche. Hein. Ok, super. C'est bon. L'amour et l'amitié. Vous n'êtes pas amoureux, mais... Billy. Il est pécho, c'est tout. Ouais, deux secondes, je t'entends. Il aime bien parce qu'elle est complètement folle, mais... Oh. Alors Billy, tu vas sonner, d'accord? Ouais, vas-y. Ah, il y en a, ils ont des passe-droits là. Et peut-être me changer aussi après, parce que je vais peut-être pas rester dans cette tenue là. Ok. Voilà, nickel.
Attends, alors, du coup, Flo, il est avec nous, yes. Ouais, il a déjà la tenue, t'inquiète. Ah oui, c'est directement prélevé sur salaire, c'est vrai. Tom, tu vas chercher des pochons là-bas. Enfin, des, ok, c'est payé. Là-bas, t'en ramènes pour Billy et pour Florian. Les gars, bien sûr, vous faites attention parce qu'il y a, quand vous allez vendre aux concitoyens, il y a des vols d'armes. Donc, si vous avez une arme, vous évitez de la prendre. Ouais, c'est déjà posé. Ok, super. Et si vous avez beaucoup d'argent sur vous, faites attention, les concitoyens veulent aussi l'argent. Ok. Ah oui. D'accord. Ah oui, non, mais. C'est des bons margoulins. Hein. Voilà, il s'est fait voler 20k tout à l'heure, Tom. 20k ah, merde. Ah la vache. Oui, oui. Ah, oui. Il a éclaté sa mère, j'espère, ce concitoyen. Je sais pas. Non. Alors non, c'est pas 20k, je me suis fait voler 40k sur la deuxième, la deuxième 40k prise. Plus un taurus. Ah oui, quand même. Un taurus et 40k. Et tu leur as défoncé la gueule, j'espère. De toute façon, moi, je vais rester avec vous, d'accord. Je vais survivre parce que... Moi, j'en non, même. J'ai pas pu, il y avait trop de monde autour, laisse tomber. Si on me voyait, j'étais out. Alors, Billy, je t'explique quelque chose, d'accord. On évite de se faire remarquer, donc les meurtres, on évite, d'accord. Attention. Vas-y, tu lui donnes. Tiens. Je te donne du canapé. On tape pas. Alors, non, on évite de taper, d'accord. Si putain, vraiment... Bill, alors... t'as les poches pleines, j'arrive pas à te les mettre dedans. Ah oui, bah oui, mais j'étais en train de travailler, moi, c'est vrai, juste avant qu'elle vienne me chercher, vous venez me chercher. Putain. Et je parle des mains, bien évidemment. Merde, hein, de alors, on évite non, de taper. Bah, oui, moi, non. Je allez, tu peux me donner. Je vais enlever le holster. 19 kilos, quoi. 19 kilos. Ouais, 19 kilos. Vas-y, je te donne ça. Ça fera l'argent. Putain, mais. Vas-y, quoi, ça. Ça va pas sortir ta poche. Voilà. Ok. Ah oui, c'est bon avec Billy. Hein. Ah putain, mais frère. C'est quoi ton nom? Rappelle-moi ton nom. Oh, c'est Tom. Tom. Tiens, attends, avant que tu remplisses les poches, tiens, prends ça. Ah, tu veux que je les dépose dans le. Non, range ça. Et moi, comme ça, j'en avais déjà un peu sur moi, donc j'en ai 69. Ok. Vas-y. Comme ça c'est réglo, comme ça vous occuperez de ça. Et moi, bah du coup, avec ce que tu m'as donné tout à l'heure, j'ai qu'un burger, j'ai pas d'eau. Ok, attends. Attends, j'ai des parts de pizza. J'ai des parts de pizza. Billy, c'est Billy. Billy, excuse-moi. Tiens. Florian. T'as de la bouffe? Non, on cloue les gens. Oui, moi je cloue les gens. T'inquiète. Merci. Moi on vole pas, moi. Billy, regarde si t'as reçu. T'as reçu quoi? Sur ta carte. Ton compte, là. Oui, yes. Tu m'as donné récemment impeccable. Et de l'eau? T'as de l'eau? Moi j'en ai pas mal, hein, si mais... Ah, mais non, mais attends, viens ici. Mais oui, regarde dans le. Putain, mais t'es con. Mais que je suis con, t'y as pas pensé avant? Elle va se détendre la nouille, elle. Eh, je viens de te donner l'ordre de lui donner de la bouffe, théoriquement t'es censé savoir. Du coup, c'est elle la chef? Oh, mais elle me fait chier, non, mon merde. J'ai Tom sous mon aile, on va dire. D'accord. Et c'est pas un cadeau, je te le dis de suite. C'est bon, tu lui as donné? Ouais, c'est bon, okay. Merci. Est-ce que t'as téléchargé l'application, Billy? Ouais. Tu vas prendre la radio 6.66. 6.66, avec que des 6, ok. Bah. Ok. Ah, bah oui, mais c'est tout bon, ouais. Faites un test radio, les gars. Test radio, Florian. Ouais, test radio, Billy. Ah, c'est bon. Impeccable. Et c'est parti, on y va. On se met pas en tenue du coup. Prends-moi, Hugo. Il avait dit non, hein. En vrai, ça marche. Ouais, ok, ça marche. Bon, bah aujourd'hui, ça va être de l'OPEX, mais tranquillou pilou. Ouais, bah ouais. Écoutez, je voulais sortir la tenue, moi. Oui, non, mais toi, toujours. Il y a un magasin de fringues parce que moi, je vais pas rester en rouge quand même. Hein. Je veux bien faire des. Ok, conneries, bah mais on va au magasin fringues. Je mets tout dans le coffre, perso. Tu mets quoi dans le coffre? Oh, j'ai ma tunasse. Oh, bah j'ai pas perdu mes 26k. Bah c'est bon, j'ai tout trouvé, non? C'est bon. Ah si, ah mais non, ça c'est... Oh, ah, non, Tom, ça, c'est ce que j'avais Tom. Oui. Allez, on y va. On y va? Oui, allez, montez. Je comprends pourquoi il y a plus beaucoup de mécano en ville, j'avoue. Tom, mais t'es chiant. Vas-y, je monte derrière. Je suis chiant. Vas-y. Ok, vas-y. Vas-y, on va où? Vêtements. Ouais, mais vêtements un peu discrets, non? Pas à côté de la LSPD. Oh bah non, bah au pire des cas, on plus peut t'es à côté, aller moi, dans t'es la LSPD. Ouais. Au pire des cas, on peut aller carrément dans la LSPD et leur demander s'ils ont des fringues noires à nous prêter. Non, mais après, plus t'es prêt, moins ils voient les choses. Pourquoi ils iraient pas chez nous, Tom? Putain, il me fait chier à gueuler, l'autre, là, putain. Y'a personne qui gueule, non.
Qui, toi? Qui a fait les speedy? Hein? Qu'est-ce que tu parles de la île speedy, toi? Bah, au Bénis, y'a les speedy. C'est lequel? C'est rien. Il est comment? C'est... Ah, c'est pas Monsieur Arson? Je sais, non. C'est cool d'avoir les envers du décor, Mulet. Un peu des groupes. Ah, c'est l'autre, là, 40, je sais plus combien, c'est 20, 20. Ah ben, c'est Marcel. Marcel? Ouais, il s'appelle Marcel. Ils s'appellent tous Marcel, ici, c'est pas possible. En fait, vous êtes au courant... Les gars, vous êtes au courant que ça... Que... Je vais réussir à le faire parler, l'autre, là. Lui, là. Oh. Je vais avoir plein d'infos avec celui qui conduit. Comment il a dit qu'il avait Tom? Arrête, je chante. Puis tu chantes, je chante la boîte. Je vais avoir plein d'infos avec lui, c'est sûr. Bon, allez, bouge ton cul, là, on a pas que ça à faire. Alors, serait, tu me dis de pas me faire remarquer, donc je respecte l'imitation, que ça soit bien clair. Bah, c'est sûr, ouais. Qu'avec un 4x4 comme ça, on se fait pas remarquer. Bah non. Et du coup, après la vente de ces 20, on fait quoi? On revient en QG et on dépose la thune. Voilà, et en fait, tu gardes la moitié pour toi et la moitié, tu la déposes. Ok. Tout simplement, en fait. Et qu'est-ce que vous en faites après de l'autre moitié? On va racheter un entrepôt déjà. D'accord. Parce... Super, on a un bourré au Bénis, j'adore ma vie. Vous avez quoi? Un bourré au Bénis. Et qui? Rien. Putain, mais... Il est un peu aigri, hein, le collègue. Oui, il est fatigué, on va dire. Mais elle est pas employée au Willys? Bah si, elle est employée au Willys, mais elle fait l'illégal à côté, la roi. Hein. Le jour où OSN News est au courant, elle sera virée ou quoi, mais... La porte. C'est très fluide. Hein. Allez, faites-vous beau les garçons là. Oula, le crâne. Oula. Mais c'est qu'il y a déjà des gens. Tu te fais niquer car ils prennent les sous des marijuana que tu as fait toi-même. Oui, bonsoir, oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, c'est plus intéressant. Bonsoir. Je vais avoir le point d'arme. On va avoir plein de choses. T'inquiète pas. Allez, t'inquiète Bill, pas. Fais-toi tout beau. Billy. Ah oui, oh, vas-y, j'en ai marre, excuse-moi. Ah, t'es devant moi, attends. Ah, excusez-moi. Ah, ça, pour la moto, c'est pratique, tu vois, de mettre le bandana. Si jamais et tout. Je reviens, je vais te dire. Ouais, mais je crois que le casque, il est devenu obligatoire en plus maintenant, non? Oui, si je me trompe pas, j'avoue que je ne suis pas vraiment renseigné étant donné que j'ai pas de moto. Ouais, mais faut que je fasse gaffe à ça. Bah, du coup, je vais enlever le bandana parce que vu que je suis en moto, ouais. Je suis pas en moto là. Ça me va bien quand même? Ouais, franchement, ça fait gangster. Oh oui, bon, je suis pas un gangster, moi, tu sais. Ah bah non, t'en es pas un, mais ça fait comme ça. Je trouve aussi. Avec ta voix rauque. Pour faire du sport un peu. T'aimes bien la voix rauque? Franchement, ça. Ouais. Tu vas faire tes muscles. Flo, tu t'en sors? Ouais, non, pas de soucis. On t'attend. Un éléphant qui s'est balancé sur... Oui, voilà. Ouais, c'est pour la maison. Ah, merci. Oh, Billy! T'es tout beau. T'es obligé de crier mon nom comme ça, tout le monde là? Oui, on évite de crier les prénoms. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Si tu veux prendre un coup de marteau, on s'habille tout en noir et il y a des mecs comme ça, il y a des citoyens. Alors, pas tout en noir, je suis désolé, il y en a une qui est différente des autres. Oui, parce que. Et pourquoi? Pas trop qui joue sur les mains. Non, tout simplement parce que si je suis habillé en noir, les gens ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui est pas. Bah dans ce cas, autant que je change ma tenue, que je me... Non, mais je te rappelle que moi, je suis toujours habillée en rouge. Donc si je m'habille en noir, les gens ils vont dire mais c'est bizarre celle-ci. Oh, et oh, tu me fais chier. Bon, du coup, il faut juste réfléchir. On va à la plage. Là où t'as vendu le plus, allez. Oh bah, j'ai envie de te dire que c'est un peu de partout dans la ville, donc... Allez, vas-y, plage. C'est soit là, Hollywood Boulevard, ça se vend bien, ouais. Par contre, vous faites attention parce que là, il est speedy et en ville, donc faites attention, les gars. Donc si on voit une patrouille, on fait quoi? On fait un call radio, on fait quoi? Alors déjà, vous le dites sur la radio, il n'y a pas de souci. Et ensuite, bah, vous faites comme si... Oui, avec son... Bah oui, c'était le pire gang que ça. L'acting. C'était la grosse mafia avant, Doudou. Tu as Vanwood? C'était le plus gros groupe du serveur.
Ah non, t'as le parking là, je crois. Allez. Donc c'est bon, vous avez tout compris, vous avez pas de, de questions. C'est tout bon. On va aller au feeling. Et bien sûr, pas de viol, de violence. On est d'accord. C'est pas de viol. Ouais, c'est vrai. Parce que une seule violence, c'est moi qui vous défonce. On est d'accord. Oui, maîtresse. Oui, dame. Je vous Billy, t'as entendu? Parti chercher de l'eau, comment il connaît. J'ai entendu. C'est surtout pour ça que je dis ça. Mmh. Mmh. Ah, on se connaît maintenant. Ça, c'est un qui veut tout dire en vrai. Non, mais disons que je le connais très bien maintenant. Ah. Parce que c'est ce genre de personne à frapper oui, à Lina. Tout bas, en fait. Il est impulsif, laissez-le tranquille. Il est impulsif. Il a le sang chaud. Ouais, très chaud. Au moins, il se fait pas emmerder. Pas ça. La réputation que j'ai, vous avez vu? Je parle pas. Je dis juste trois mots à chaque fois. Bien sûr, Billy, il laissera son petit marteau dans la voiture, par exemple. Non. C'est pas le gouffre, ça? On s'en fout du gouverneur. Tu m'as dit quoi, Billy? Non. Quoi, non? Je laisse pas mon marteau. Quoi? Parce que je laisse pas mon marteau, c'est tout. Si j'ai besoin de bricoler un truc, ce serait dommage de pas l'avoir. Alors, la question bête, qu'est-ce que tu veux bricoler? Je sais pas, par exemple, admettons, hein, dans l'hypothèse, tu vois, dans l'hypothèse... Oui, dans l'hypothèse, bien sûr, voilà, dans l'hypothèse. Voilà, dans l'hypothèse que... Mm-hmm. Y a... Tu vois, je passe devant une porte, mm-hmm. et cette porte, y a un clou qui dépasse, bah faut l'enfoncer, mm-hmm. ça serait dommage de pas avoir un trou, un marteau, quoi, tu vois. C'est comme... Admettons, bah, hein, c'est comme admettons. Si t'avais besoin d'enfoncer par exemple une poignée de porte, c'est ça? Ou peut-être, admettons, tu vois le gars là-bas là, mm-hmm. admettons il oui. manque de respect. Oui. Bon bah, je lui mets juste un petit clou dans la tête, okay. et il manque pas Billy, de respect après. Billy, est-ce que tu peux me rappeler ce que je viens de dire il y a quoi, il y a, allez, 2 minutes? Je me garde dans le parking les enfants? Bah ouais, du coup. Putain mais... J'ai un 4x4, j'arrive pas à franchir un putain de... Donc qu'est-ce que je t'ai dit, Billy, il y a 2 secondes? Tu disais... qu'il fallait que je pose le marteau. Oui, et avant de poser le marteau, qu'est-ce que j'ai dit? Enfoncer des clous. Le premier, mais je vous jure, les garçons, le premier qui tape quelqu'un, c'est moi qui vous tape, mais d'une manière... Non, mais tu m'as avec mon t-shirt, avec mon sweatshirt blagueur. Je peux que être innocent, moi. Ouais, vous prenez toutes les têtes sur vous ou vous voulez quand, faire quand, petit à petit? Quand bon, je l'ai vu, lui, mains, je croyais qu'il était innocent aussi. Bon. Hein. J'ai appris bon. À le connaître. On y va? Et il est pas bon, si bah... innocent. Ça se vend combien en moyenne Lily, donne-moi ton marteau. Non. Ça se... Tiens, si tu veux, je peux te donner un truc déjà. Ça évitera que je sois trop violent, tu vois. Parce que une fois que j'ai enfoncé le clou, tu vois, peut-être que, non, je... Mais... peut-être que je pourrais le. Voilà, donc j'ai pas envie de le découper. Mais du coup, c'est une bonne question. Ça se vend combien en moyenne? Ouais, excuse-moi, ouais. Ça... Combien en moyenne? Ben moi c'est simple, la tête, je la fais partir à 80-100. 80-100, la tête, ok, ça marche. Ouais. Oui, allô ouais, c'est bon, ça va. Après, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai vendu 11 têtes pour 3800. Ça va et toi, je crois? Alors, bah, du coup, ça vaut le coup. Là, disons que j'ai un petit hein souci. Ça vaut le coup, du coup. Que je règle le souci ouais. Puis je suis disponible si t'as besoin. On va voir ça. Après, fais gaffe parce que des fois, il y en a te pose 3 têtes pour 4$ ou 13$. Bah, donc, du coup, petit problème juste une petite question là. Ouais. Il y a un mec. Ouais. Donc, ok, pas de soucis. J'essaye de me faire au plus vite. Il y a un mec qui vend de la weed. Bisous, je crois. Qui nous vole. On fait rien. Non, on fait rien, tant pis. On évite de se faire remarquer en fait. C'est ça le truc, Billy. C'est qu'on évite de se faire remarquer. D'accord. Flo, t'es ça parti où? Il est devant là-bas. Je suis en chasse là. Une question. Qui oui, vend là oui, oui. Tu vends toi Alex? Non, moi je vous accompagne. Ah, d'accord. Et Tom il vend là? Normalement oui. Et Tom il vend sans gants? Il va donner non, des pochons mais... aux gens, à des inconnus sans gants? Non mais c'est Tom, je cherche pas. Okay. Tant pis pour lui hein. On lui a dit de mettre des gants, tant pis pour lui. Moi je suis content. Content bien de temps. Disons que moi Billy je suis là pour... Vous calmez si j'ai un souci. Ok, vas-y, moi je vais à droite. On se sépare. Je reste avec lequel, moi, là, je sais plus. Reste avec Bill, c'est plus raisonnable. Billy. Putain. C'est putain. Bon. Stop, Billy. Ouais, mais non, Billy. Non, c'est Billy. Voilà. Mais en fait, c'est parce qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça aux Austin et du coup, on se trompe. Ouais, bah, oh, alors en plus, si vous le confondez avec quelqu'un d'autre, ça va pas aller.
Bon, ça va, je les aime bien, les Austin, pour le moment. Pour le moment. Bah, je sais pas, enfin, j'ai trouvé sympathique, j'ai pas eu de soucis avec eux, moi. J'ai entendu que d'autres ont eu des soucis, mais moi j'ai pas de soucis. Franchement, ils sont super cool. Bah, moi, ils m'ont vendu de la viande la dernière fois, on était en galère, c'est parfait. Hein. Non, non, franchement, ils sont super cool. Toi, achète, achète ou je te tape. Alors, Billy, qu'est-ce que je viens de dire? Tu vois, l'achète. Ouais, dégage, dégage avant que je te tape. Allez, hop. Viens là, toi. Psst. Viens là. Voilà. C'est quoi Purple Horse? Vas-y, je te le vends. Ah oui, c'était. Ok, oui. Ok, non, ouais. C'est un petit sachet que je devais vendre. Ok. Vas-y, madame. Ah ouais, mais non, mais là, je peux pas laisser passer là. Est-ce que je peux la suivre jusqu'à temps qu'elle soit loin? Non, laisse-la. Ah non, non, je peux pas la laisser. Je peux pas la laisser, c'est pas possible. Ah, je peux pas la laisser. Elle a piqué mon marteau. Alex, tu sais ce qu'elle vient de me voler? Quoi? Devine. Eh oui, c'est n'importe quoi, 8100 l'unité. T'as volé quoi? Mon marteau? Elle a volé mon marteau, cette connasse! Le Saint-Marteau! Non, la tape pas, si tu la tues, je pourrais pas le récupérer! Oui, oui, t'inquiète! Je la suis, je l'éloigne, t'inquiète! Est-ce que c'est parce qu'on était, je sais pas, peut-être moins de 100? Je veux bien ranger mon marteau pour qu'ils évitent de me le piquer, d'accord? Mais c'est ce que j'arrête pas de te dire! Okay. Après, je vendais pas dans le nord, je vendais dans le sud de la ville, genre au niveau de la plage et tout ça, donc est-ce qu'ils sont plus pas ou je sais pas du tout? On est où? Ça donne quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a volé le marteau à Billy. Tu viens de défoncer la... Dégage. Recule. 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 D'accord, recule. Avant, recule. Merci. Recule. Ah putain, il y a... Ouais bon. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Attends. Il y a trop de monde, viens, il y a trop de monde. Ça, personne n'a filmé, j'ai regardé, impeccable. Tiens, par contre, tu prends mon marteau. Vas-y, donne-le. Par contre, tu en prends soin. Oui, non, mais c'est bon, tu me connais. Hein. Que c'est bon. Non, mais putain, tu sais combien ça vaut un marteau en plus? Oui, enfin, tu m'as pris pour c'est pas trop cher. Hein. 2500. C'est pas ça. Pardon, j'espère qu'il y a de l'or dedans. C'est un putain de marteau aussi. Hein. Voilà, j'espère qu'il y a de l'or. Tu sais combien de clous j'ai percé avec ça? En plus, il est tout neuf celui-là, parce que l'autre, on me l'avait déjà. Tu sais qu'on me l'avait déjà volé, hein. Je retourne à la voiture. Viens là, toi. 14 pour 3900, tu crois que ça le vaut? 14 pour combien? 3009. Je trouve que c'est pas ouf. Ouais, mais c'est pas ouf. Allez, ça dégage. Watch it. Damn, whatever. Tu peux chanter un peu? Ouais. Ouais. Lundi matin, mon peur. Ok, moi, je pensais que j'allais chanter quand même des vraies chansons, bordel. Mais c'est pour vous adoucir les gens autour de moi. Ah, 14 4200, tu vois déjà. Un voilà. Petit peu mieux déjà. Allez, vas-y. Dégage. Toi, t'en veux, toi? Achète. Achète. Elle m'a dépouillé de 10 sacs. Je la tape pas, alors? 10 sacs? Ouais. Enfin, elle abuse un peu, là. Elle abuse un peu, on est d'accord, hein? Ouais, on l'a Connasse. Vas-y, récupère. Attends, je la dépouille en même temps, il y a peut-être des choses sur elle. Attends, je la dépouille. Hop là. Ah, elle avait du Coca-Cola. Quand ça, si j'ai soif, parfait. Tu vois, là, je suis fier de toi, Billy. Pourquoi? Mais parce que tu tapes pas tout le monde. Ouais, dégage toi. Qu'est-ce que tu regardes là? Allez, dégage. Dégage de là. Voilà. Putain, Billy. Non, mais il nous regarde. Ouais, mais il nous regarde. Un chat là où je suis, c'est un truc de cul. Oula, attends, faut que je mange ou que je bois. Francis, c'est comme le marteau, mais c'est là pareil, c'est ça. Le marteau s'appelle Francis. les 10, non, on peut faire mieux. On peut faire mieux, 2800 les 10, on peut faire mieux. Oui, oui, l'argent. La 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 la. Elle a une tête, elle va vouloir être. 13 sacs! Mais 13 sacs aussi là! Mais. Ben oui, mais 13 sacs, hein!
Allez, vas-y, vas-y, récupère. Voilà, mais je crois qu'il faut pas taper, puis c'est toi qui me dis de taper quand même. Hein. Oui, bah à un moment donné, quand il nous vole autant. On entend pas de sirène là pour le moment? Non, non, c'est bon, t'inquiète. Attends, je l'ai pas dé. Attends, elle a peut-être un truc intéressant sur elle. Ah, un lockpit peut servir. Billy? Oui. Non. Je sais pas s'il y a une voiture rouge avec un cheval dessus. Je te l'offrirai, t'aimes bien le rouge. Ouais. J'en connais une voiture rouge avec un cheval dessus. Ah, j'en connais qui veut l'acheter là. Vous avez dit quoi? Véhicule du gouvernement dans la voie du cinéma. Ok, c'est compris. T'as entendu Billy? Fais attention. Le cinéma il est à gauche, non? Si je me trompe pas. Ou à droite, non, ou à droite. À droite, parce que là c'est la banque. C'est à gauche? Non, c'est à droite, la banque elle est là. Ah oui, putain, oui. Oui, donc attention, je sais pas c'est lequel. Ne descendez pas au niveau du gymnastique, enfin, ne descendez pas genre en bas, dans la voie principale, il y a les EMS et les flics qui tournent. Oh, bah c'est génial ça! Viens là toi. Tu veux que tu veux racheter mon lockpit? Que j'ai piqué de la dame? Allez vas-y, tu vois je te l'offre. Oui, avenue. Psst, hey, fille! Tellement fier de toi! Ouais, je tape des gens, ça va mieux. Hein. 12 sacs. Bah, 12 sacs. Allez. Je vais devoir encore me salir les mains. Moi, j'ai pas un chat. Ça fait 5 minutes que je marche, que je cours. Y'a pas un chat. Je vais c'est bon. Un briquet. Qu'est-ce que je fous d'un briquet? J'en ai les codes police qui tournent au-dessus de Vinewood. Pas de soucis en soirée. En rasmote, hein. Allo, 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 allo. Standby, vous gardez vos 50%, vous les ramenez et vous break pour l'instant. Bien reçu. C'est pas le moment de se faire attraper. Hein. C'est quoi la voiture à gauche là-bas? Un mec qui fout dans les poubelles. On est bien. On arrête? Ouais, parce qu'il y a les flics et le gouverneur. Enfin, prends le marteau. Gouvernement. Au cas où. Après. Si ça tourne mal, rends mon marteau, ça tourne mal. Non, parce que si ça tourne mal. Les flics et après c'est toi qui vas te prendre dans les gueules. Si ça tourne mal, rends mon marteau. On arrive. Oh là là, ils font chier les flics. Ils peuvent pas rester dans leur PDP et nous laisser tranquilles. Tu veux que je les attire? Non. T'as besoin d'une diversion? Donne-moi mon marteau. Donne-moi mon marteau. Billy, avance. Et tu sais c'est qui dans la voiture du gouvernement? Ouais, non, vite d'après, je vois pas. Putain, il faut chier. C'est qui? C'est ton amoureuse. Oh putain, je peux pas me la saquer celle-là. Je peux la buter? Faut buter qui? L'hélico repasse au-dessus de Vanimoto. Lexi. T'es qui, Lexi? La secrétaire du gouverneur ou je sais pas quoi. T'en veux? Ah pardon. Elle a l'air défoncée, je voulais l'aider. Je me dirige en direction du véhicule en marchant. Mais nous on descend vers le parking. J'essaye de. Récupérer là-bas au pire. Où ça? On est devant le cinéma là. Tu nous envoies un point GPS et on là on est devant le cinéma, bah venez nous récupérer devant le cinéma. On va faire quoi là? Oh j'ai envie de me tatouer. Viens on va se tatouer. Putain, non, c'est... faut que j'arrête. C'est cher. Pourquoi t'as trop de tatouages? Ben j'en ai refait il y a pas longtemps. Stand-by. Ok, bah donc comme ça on a un bon alibi s'ils viennent les flics. Voilà, vas-y. Dis-leur qu'on est dans le tatou s'il y a problème. On est dans le tatou. On fait les alibis là. Oh, chier le gouvernement. Combien il m'avait donné de pochons? Il m'en avait donné 19. 19 ou 15? 19, hein. Donc au pire, je peux en rendre que 19, vu qu'il m'en reste. Je vais pas tout leur donner non plus. Je vais leur rendre... J'ai votre cul. Sachant que j'en ai vendu combien? J'en ai pas vendu beaucoup au final. J'en ai vendu 14, une dizaine, j'en ai vendu 24. J'ai dit à Billy que je rentre son burrito dans le Bénise, hein. Ok, pas de soucis. De toute façon, il est à la radio, il t'entend, hein. T'es à la radio, Billy? Ouais, je suis à la radio, mais attends, faut que je sorte de là, ça me donne mal au crâne. Mais je peux pas rentrer ta voiture non plus. On passe devant le tatou avec le véhicule. Ah, Billy, il y a une limousine.
Me chauffe pas, j'ai mal au crâne. Oula, tu marches sur place, Billy. Ouais, j'ai mal au crâne, je te dis, j'ai mal au crâne. Ça a passé. Besoin d'un pipi? Normalement non, ça devrait passer, non. Mais sinon je vais aller pisser quand même. Ouais, va faire pipi, on t'attend. Va te mettre dans le coin là-bas. Je me regarde tranquillement. Oula, Billy va faire pipi. Rip le PC en souffrance, le beau mal de crâne. C'est intéressant si on récupère des infos et tout. Ou après peut-être que je vais rester avec eux. Enfin, on sait pas en fait ce qui peut se passer. Hein. On sait pas, hein, ce que l'avenir nous réserve. Bon, t'as fait pipi? Ouais, c'est bon, ça va mieux, j'ai été dans le tatou. T'en es pas mis sur les mains, sur les affaires, c'est non, bon. Excuse-moi d'être un mec propre, hein. J'ai un minimum d'hygiène. Bien. Je m'appelle pas Tom. Allez, bis. Oh, mais ok, ça marche, y'a pas de problème. Allez, avance, parce que là, c'est... Bah, tu mets pas de gants pour vendre de la weed. Oh, c'est bon, me parlez pas. Je vais vous laisser bosser tout seul, moi je pars au barbershop, démerdez. Oh là 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 là. Oh, je veux rien savoir. Faut que j'aille au barbershop. Je veux rien savoir, toi je te vends pas, je te donne rien. Mes couilles, c'est bon. Susceptible, hein, mon Tom. Ah oh, non, ta gueule. Eh, stop. Ah, oui, effectivement, oui. Il est colère. Oui, bah sa colère, il va la ravaler. Hein, mon petit Tom. Oh, bah. Ah, bah oui. C'est le gouvernement. C'était pas le gouvernement, pas fou, ça. Il y a peut-être une urgence. Ils ont pas des sirènes sur leur véhicule? Non, pas eux. Ou des gyros? Non, non, pas le gouvernement, je crois. Si, pas. Ils peuvent en installer, mais sur leur véhicule, je crois. Ah ouais? Bah, les mécanos peuvent faire ça, non? Oui, les mécanos, ils l'ont. Le Beniz, il est. On peut passer au Beniz ou c'est encore rempli de SPD? Allez, ben on arrive. Par contre, ta gadji, là, je la supporte plus, frérot. Ta gueule, allez, avance. Oh! Dis-lui qu'il ferme sa gueule et qu'il roule là! Elle est insupportable, elle me dit de me faire discret et après elle veut que je tape des pointes à 130 en plein centre-ville, à un moment faut savoir! Et il est vénère et susceptible, c'est pas ma faute! Et frérot, t'es le patron, à un moment ouvre un peu ta gueule, je sais pas! Ouais, mais moi j'ai bien. Faites attention! Stop, on se tait! Vas-y, tranquille! Merci! Drama, mais oui, carrément, ils s'engueulent et tout. En plus, c'est moi qui ai lancé le truc, hein. C'est la copine au mécano? Ouais, apparemment, ouais. Oula! Ah, et pour une fois, c'est pas moi qui est rentré dedans. Ouais, ah, mais pas moi non plus. Il y a eu un coup de vent. Ouais, il a fait un malaise, ce con. Marteau, t'as. Mettre un coup de marteau, je crois. Je l'ai le marteau. Ouais, tu me le donnes après. Hein. Non, on verra si t'es sage. Non, il n'y a pas de sage, marteau. Tu me le donnes. Non, mais je l'ai récupéré, t'es pas bien toi. Ah, il est pas dépompé. Oh putain. Ah, je l'ai poursuivi et j'ai attendu qu'elle soit loin dans une ruelle pour la défoncer. Hein. Nice. Non, mais je suis fier de lui là. Il s'est calmé, il a réfléchi avant de faire une bêtise. C'est pas ou pas? C'est bon là, tu veux pas aller à New York? Ah merde, ça s'ouvre. Ah, mais putain, Flo! C'est Billy! Ah non, c'est Billy, putain! Bah oui! Putain, mais je suis discret, il a pas comme que ça, lui! Apparemment, non! Ah, c'est bon, t'arrêtes! Mais par contre, là, le 4x4, change-le, frérot! Plus discret, t'as pas là! Mais en gros, c'est quoi la musique là? J'entends une musique, s'il vous plaît! Pareil! C'est pas moi! Ça fait mal aux oreilles! Merci! Pardon, excusez-moi! Merci beaucoup! Ok! Ça s'est bien passé, en tout cas! C'est bon, c'est très bien passé! Parfait alors! J'ai surveillé. Eh, franchement, moi je vous dis un truc, vous pouvez féliciter Billy parce qu'il s'est tenu à carreau. Ok, il en a cassé, il a cassé des gueules à certaines personnes. Bah, manque de respect, il est hors de question. Il a bien fait, mais il a bien mais fait. Mais bah, 14 pochons, c'est quand même beaucoup. Mais il a fait attention que ce soit. Et un marteau, c'est quand même beaucoup. Marteau. Non, bouge pas. Oui, moi j'ai trouvé marteau. Personne, frérot. J'ai eu personne. Marteau. Ouais, marteau. Okay. Ah, c'est joli, marteau. Par ici. C'est joli, tiens. Marteau. Qu'est-ce qu'il y a un marteau, Billy? Marteau, un marteau. Ah, je sais pas ce qu'il a. T'as rends-moi mon marteau. Rends-lui son marteau. Rends-moi mon marteau, putain. Il va rien faire avec. Oui, je vais rien faire avec. Rends-moi mon marteau. T'avais rien, t'avais pas à lui prendre, du coup. Si, parce qu'il me le vole, si. Vous avez concitoyens, me le vole.
Après, ah, je suis obligé de les... Après, je suis obligé de défoncer, donc... Julie, je peux dire un truc ? Ouais, dis-moi. Attends. J'arrive pas à le sortir de ma poche, tiens, donc. Il est trop gros. Ah, il balèze, hein. Putain de marteau. Mais... Ah, putain, normal, attendez. C'est tellement bien, en vrai, Billy. Bah, parce qu'en fait, je peux pas faire les deux. Non, j'ai surveillé. Non. Non, par contre, vraiment, putain, ouais. Tom, là, Billy, ça va. Merci, parce que c'est compliqué, parce que... Ouais, c'est bon. Ça sera c'est bon. Par contre, Billy, tu feras attention, parce que sur ton marteau, j'ai vu des traces de sang. Ça fait peur. C'est des lapins, c'est des non, lapins. Pas encore, celui-là, il est neuf. Ça doit pas être du sang, c'est de la peinture, mais... Non, il a, ouais. Celui-là, j'ai pas encore servi, encore, je viens de l'acheter. Range-le, maintenant. Attends, ouais, ça, c'est de la peinture. C'est de la peinture. Celui-là, c'est de la peinture. Ouais, c'est de la peinture. Il est pas mal, hein. Il est beau. Ouais, il est oulala. Moi j'en ai un crochet. J'ai mal à la tête. J'en ai un crochet à la ceinture, là, mais bon. Il veut pas. Ouais. Bon. Pas décrocher. Du coup, je donne la moitié à qui ? À Flavien. T'es qui, Flavien ? Lunettes derrière. C'est tatouage là-bas. Là-bas. Ça. Voilà. Ça. On me dit lunettes derrière, on a 4 lunettes. Quoi ? Flavien, je peux te parler après 2 secondes, s'il te plaît ? Ouais. Qu'est-ce que c'est là ? Vas-y, viens. Qu'est-ce que t'as ? T'as un bureau ? Non ? C'est quoi ? C'est ton bureau ? Okay. J'ai juste une question là. On fait ça, mais je croyais que ton patron était une balance. Il est plus là. C'est moi maintenant. Ah, t'as repris le bénisse du coup ? Ah, le bénisse ? Oui. Non, j'ai pas... Non, moi je parle, tu sais, de l'histoire que j'avais eue avec le RAM et tout. Qu'après il avait appelé les flics et tout. Non, il y est plus. Mais c'était le patron lui ? Du bénisse ? Ouais. Et il est plus là lui ? On l'a fait un peu flipper. Ah d'accord, ok. On n'est pas là pour jouer. Ouais, je comprends. On joue petit pour l'instant parce qu'on n'a pas le choix, mais on n'est pas là pour jouer. Ok, ok. 2600 du coup, je te dois. Yes. Ouais, merci. Comme ça, il reste 2600 aussi. Super. Bah c'est ça. T'as eu le virement, tout est ok ? Ouais, tout est ok, ouais. Et, je te rembourse dès que possible. Tu les gardes pour toi, c'est pour toi. Ok. Ça va, je te remercie, mais toc, bon, toc. Je préfère régler mes dettes, quoi. Tu les gardes. Je me suis bouffé la porte. Non, désolé. Flav ? Ouais. Je dois retourner au burger parce que je me fais de moins en moins discret. Je me fais de moins en moins. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Parce que ça paraît louche et je viens d'avoir un appel me disant pourquoi je suis de moins en moins au burger et. Patate quoi. Vas-y, fonce. Du coup, Flavien ? Vas-y. Moi, je suis chaud à continuer. Bah, allez-y, hein. Feu ! Flavien ? Bah, je peux pas rentrer dans ouais. Le bureau. Tu rembourseras la polish ? Tu me paieras ouais, un coup de polish, hein. Ouais. Bah de toute façon les repas c'est gratos. Ok, ça marche. Non mais parce que bon, sur le burrito, on va dire que... Hugo t'inquiète. Oui, il y a des gens sur le parking. Oui, ils vont attendre. Ils non, sont on range ça, s'il te plaît. Il est sur mon burrito, quand même. Alex burrito. Putain, je vais les démonter. Hein. Ah, oui, pardon, excusez-moi. Je vais être rouge, hein. Je vais être rouge colère. Hein. Ouais, mais je sais, ouais. Non, il va pas me cogner. Attention. Alex. Tiens, attends, Alex, dis avec moi, j'ai du. Oui, vas-y. Tu ramènes ceux qui veulent bosser au QG. S'il te plaît, tant que je peux pas transférer les clés, c'est la merde. Attendez, qui veut bosser là ? L'eau. L'eau ? Mais je croyais qu'on arrêtait de bosser là, non ? Bah oui, je comprends pas, tu m'as dit qu'on arrêtait. Ouais, changer de zone, vous arrêtez. Ah oui, d'accord. Oui, sauf que moi là, il va falloir que j'aille voir Geoffroy parce qu'il veut que je l'aide à choisir sa maison. On va savoir. Non, bah on doit savoir bien. Mais, chou. Ouais. Ok. On prend ma voiture. Bah non, bah si. Florian, tu montes dans le coffre, c'est bon ? Je réfléchis un peu. Billy, tu viens ? Ouais. Non ! Bon, si, avec ma conduite, il faut... Si, surtout avec les dépanneuses. Félicitations à tous, première ah, journée. José, ouais, il est là. Ça, ouais, il est là, on José. Sur un bénéfice net qui se passe ? Bonsoir. À qui ? Papa. Ah, mais c'est vous qui avez vendu de la viande la dernière fois. Bonsoir, monsieur les hosties. Ah, c'était vous, là, avec le tatouage, je me rappelle. Vous allez bien ? Hein ? C'était très bon. Vous avez vendu de la viande la dernière fois, c'était très bon, ça. C'est qui, celle-là ? C'est la baveuse. De la viande. Je vais devoir
Hein? Oui, oui, ouais, ils vendent de la viande, du barbecue. J'ai coupé mes cheveux. C'est très bon. Ah ouais, t'as passé tes cheveux dans une passoire ou quoi là pour les avoir? Ah ouais, j'en ai marre. Ah oui, mais je les avais pas reconnus. La barbe, elle a poussé. Oh, la barbe a toujours été rasée, c'est parce que j'ai la casquette. Ah bon? Ah bah c'est pour ça, ça fait plus impressionnant comme barbe. Ah oui, oui. C'est agréable de parler avec vous. Ah ouais, ouais, c'est moi qui t'ai vendu de la viande. Ah, elle était très bonne, hein, franchement. Ah bah ça change des burgers plein de gras, là, qui vont me bah, c'est, hein. C'est pas de la nourriture transformée, quoi. Ah bah ça... Et papa, ah, musique, oui, pas musique, monsieur Lustine. Pas la musique. Du coup, c'est qui le mécano, là? Bon, moi je suis pas ton... Oh, sérieux, là, faut couper la musique des téléphones, là. Putain, mais sale connard. Je vais vous casser vos mobiles, moi. Oui. Excusez-moi, vous travaillez ici? Qui? Vous? Non. Ah non, non. Mais t'es venu pour une réparation? Oui, ils sont là-bas, regardez. Florian, tu viens? Vas-y, je te prends. Tu montes dans le coffre? Ouais, pas que ça m'enchante, mais ouais. Juste, Florian. Non, je monte pas dans le coffre, quoi. Nous, on met pas billet dans le coffre. Parce que j'ai vraiment le choix. Hein. Non. Bidi normalement. Chérie, j'ai ta batte de baseball dans le coffre. Ah, je la veux. Tu peux me la ramener? Merde. La boune. Tu feras gaffe, t'as un trou dans ton t-shirt, hein, dans ton pull. Hein. Ah oui. Sur le devant, tu le vois pas toi? Non. Non. T'en regardes ce pro. Ah, parce que si c'est le cas, je vais aller me plaindre à la vendeuse. Ouais, ouais, ouais. Parce que... Ou alors, je sais pas, tu t'es roulé par terre, mais c'est bizarre. Je demande à. Peut-être qu'il y a que moi qui a l'impression que t'as ça, mais. Là, j'ai mis une belle photo sur Twitter, regarde, comme t'es beau. On s'envoie des photos sur Twitter. Tu vois pas que son pull est troué? Quoi? Son pull est troué. Tu le vois qui est troué ou pas? Tom. Où ça? Sur le bah sur le devant, non? Ah oui oui effectivement. Tom. Je vois même pas votre post Twitter. 5 secondes. Ah ouais. Bah donne-moi ton numéro plutôt que mettre ça sur Twitter parce que si après ton pull il est reconnaissable ou quoi tu vois? On sait jamais. C'est une bonne idée. Alors juste mon téléphone. Hop. Burger shot, attends, je vais faire pipi parce que j'ai des problèmes, j'ai mal à la tête. J'ai quitté le jeu. Ah oui. Attends qu'on a la sonnerie. En fait, j'étais coréco parce que sinon ça va faire comme la dernière fois, je vais tomber. Parce que là, la bouffe ne descendait plus. Et du coup, ça pue du cul. Si la bouffe descend plus, c'est un truc à mourir. T'as pas envie de mourir. Bonsoir, Missile. Comment tu vas? Coucou de la team TikTok. Comment ça va? Comment ils vont sur Twitch? Ils sont sages? Sur TikTok, pardon. Oh, je ne sais plus, moi. Alors, on va leur remettre l'écran sur TikTok. C'est pas mal de se faire des potes, quand même, hein, de rencontrer un peu plus de personnes, quoi. Non, mais mon PC, faut juste que je nettoie. J'ai mis plein de trucs dedans. Mais le PC, en fait, c'est un bon PC, mais... ça fait plus d'un an et demi que je l'ai. Un an et demi que je l'ai. C'est un PC qui me coûte 60 euros par mois. Je l'ai eu. C'est une LOA en fait. C'est un PC LOA. Donc c'est un PC. C'est le. Point d'exclamation PC. Vous aurez le modèle du PC. Predator, Orion, quelque chose comme ça. Mais du coup, en fait, c'est pas un optimisé vu que c'est pas un monté soi-même, on va dire. Donc voilà. Donc c'est un bon PC quand même. Mais c'est pas les PC que tu fais toi-même quoi. Peut-être un jour ça arrivera. Mais... Si t'as les clés, si tu les as. Ouais tu les as. Mais qu'est-ce que tu fous avec un masque ici toi? J'ai été pissé, attends j'enlève. Ah oh, putain. Je vais avoir 18 masques sur... ouais, voilà. J'ai 18 masques, du coup, sur moi.
beurre. Donc on va mettre ça à la poubelle. Voilà, mettre ça à la poubelle. J'arrive, Billy. On y va ? Ah, Billy, bordel. Non, parce que regarde ma voiture, il manque le coffre. Il manque le coffre ? Mais qu'est-ce que vous avez foutu ? Mais qu'est-ce que vous avez foutu, putain ? Mais attends, ils vont la réparer. Tu fais quoi dedans, là ? J'adore. Ouais, bah... J'ai la même, hein, tu sais. J'ai la même, tu sais, de toute façon. Oui. Mais je veux pas te la voler, je me chante. Merci. Bah, au moins, il étouffera pas quand tu le mettras dans le coffre. Ouais, mais bon, si, à tout moment, il va voler, quoi. Tu connais ma conduite, non ? Éviter de le perdre en cours de route. Mais du coup, dis-moi, Flo, t'es plus aux AMS ? Non, non. Du tout, du tout. Tu fais quoi maintenant ? Ben, je travaille pour vous. Ok. Oh, les hosties. Bon, il faudrait qu'on aille... Bah les mécanos jettent peut-être n'importe quoi, il y avait rien. Bon. Bah non, les connaissants tellement c'est des rats. Bon, je vous aime les mecs, hein, mais on aimerait bien partir, nous. Ouais, chose à faire, ouais. J'ai du boulot, moi. Je vais ranger le burrito parce que j'aime pas le laisser là. Je vais aller ranger le burrito parce que il y a trop de choses dedans. Je veux pas trop qu'il reste là. Pour que je vienne te chercher. Hein ? Tu vas le ranger où là ? Place des cubes. Ok, bah je viendrai te chercher, tu m'enverras ta loge. Ouais, attention à des gens. Attention à vous, messieurs. Tadadadadadad. Chante la musique de l'agence touriste, c'est con. Il est trop beau le burrito. Le burrito de Billy. Moi je suis là avec le logo des Lost dessus. Mais je suis pas Lost. Un jour peut-être. Putain, je grille des feux alors que je suis plein de weed. Ça c'est pas. Ça c'est pas des bonnes idées. Des bonnes idées ça. J'avais rien à prendre dedans, non, j'ai ça sur moi, ok, c'est bon. Bon, je voulais me faire un ATM, moi. Pourquoi j'irais pas me faire un ATM ? Putain, je me ferais bien un ATM. J'ai jamais testé de faire un ATM. J'ai un peu trop près de... Trop près peut-être. Et j'ai peut-être un peu que... Distributeur de billets, ouais. Distributeur automatique de billets. Un DAB, quoi. Ouais, c'est ça. Un distributeur, quoi. ATM, c'est Automatical Money, je sais plus quoi. Putain, c'est toujours les vieux journaux. Je vais me faire un ATM. Ouais, je vais aller dans le nord, oui, je le fais pas là avec, avec plein de weed sur moi, bien sûr. Billy, il est con, mais pas à ce point-là. Téléphone cassé. Tu vas te faire choper comme pour le vol de voiture. Non, non, mais je vais... Il est quelle heure ? 23h07, c'est vrai que c'est le bon moment pour...
Attends, je vais me remettre sur la radio. Radio 6.66. Entrée. Et Alex, je t'attends. J'arrive, bah. Il bouge pas le cul au Bénise. Bah, je crois que t'étais prioritaire, moi. T'as dit quoi? Je croyais que t'étais prioritaire. Mais attends, tu veux entrer, il y a des hostiles, ils sont à deux doigts de voler ma caisse. Comment ça, ils vont voler ta caisse? Là, on est en train de dire, oh, elle est jolie, on peut faire un tour, oh, dis donc, il y a du beurre, les nœuds. Je peux plus. Maître Tyson, j'écoute. Ah, je voulais parler à Maître Felton. Eh ben écoutez, rappelez, puis je lui dis qu'il décroche. Les mecs. Ça marche. Ouais, c'est comment vous appelez Billy, c'est ça? C'est Billy Wild. Ben, je lui dis de vous rappeler directement, il doit avoir votre numéro. Ouais, ça marche. Eh ben, je lui dis de vous rappeler, merci monsieur à vous. Wild. C'est moi ou Billy, c'est Hulk sans super pouvoir. Ouais, peut-être, ouais. Ils sont rentrés, ils ont disparu en deux secondes. Ah, pourquoi ça marche plus de s'asseoir sur les murets? C'est bon, ils sont derrière là. Fais chier. Alors, si ça charge beaucoup, tu peux baisser la qualité du serveur, je pense, ou alors changer de connexion internet. Maître Felton, du cabinet d'avocats, j'écoute. Ouais. Monsieur Wall, comment allez-vous? Bien et vous? Fort bien, vos travaux d'intérêt généraux se sont bien passés. Très bien, très bien. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle là-dessus. Oula, dites-moi tout. Bah, je devais faire 45 minutes. Oui. J'ai fait 45 travaux. Ah. Eh ben, c'est parfait. Du coup, j'en ai fait encore beaucoup, moi. Ah ouais, bah ça va pas durer longtemps. Hein. 45 travaux, un travaux égale 10 secondes, 10-15 secondes, vous voyez. Donc ça a été très vite. Donc très bien, très très bien. Et bien négocié. Hein. Speedy a été compétent de A à Z. Ah hein, ouais, ouais, une très bonne elle Speedy, dis donc. Hein. Et puis un très bon avocat surtout, je pense. Hein. Ah merci, merci. Bah vous savez, j'ai touché pépette hein, grâce à votre affaire. Hein, ah, vous avez touché combien alors? Ah, 150 000. 150 000 pour mon affaire, grâce à moi. Ah ouais, je vous remercie. Hein. Bah du coup, on peut faire moite-moite. Dites-moi du coup, pourquoi vous vouliez m'appeler, monsieur Wild? Ah, je suis de conversation. Hein. Je disais donc, ça y est, donc pour vous informer que toutes mes dettes sont payées à la LSPD, à propos du vol du véhicule, à propos des 12 000, des 850 000 réduits à 12 000, tout a été réduit, j'ai payé mes dettes, hein. Je suis un nouvel homme. Félicitations. Alors, justement, sur Nouvel Homme, on est bien d'accord, Nouvel Homme, c'est en positif, hein. Ah bah bien sûr, je suis un homme d'affaires, je vous dis, un homme d'affaires. Bah là, actuellement, vous voyez, je récupère les choses dans les poubelles, je les revends, voilà, je revends aux gens. Là, vous êtes en train de fouiller des poubelles. Oui, je fouille des poubelles. Bah là, j'attends une amie, mais sinon, je fouille des... Bah, quand je fais du Reaper, du coup, parce que grâce à ça, je peux faire la moitié, hein, la moitié. Et...
Bon, et bah du coup, comme je fais Reaper, et bah du coup, je peux fouiller les poubelles et je récupère des choses que je revends au pawn shop, que je revends à des gens, tout ça, tout ça. Ah, félicitations. En tout cas, ça me fait plaisir d'entendre que vous êtes rangé du bon côté. Ah de oui, oui, oui. Non. Un nouvel homme, hein. Il n'y a pas de... quand même. Hein. Plus d'admettons, plus d'hypothèses. Ah, non, ça fait plaisir. Non. Ça fait plaisir. Mais bah, j'ai un petit pincement au cœur que vous ne soyez plus mon client, mais bon, finalement, je suis content que ça se finisse enfin. Oui, mais bon, on sait jamais, hein, suffit que admettons que quelqu'un glisse sur un marteau et que j'étais dans les parages, bon, que ça tombe sur moi comme par hasard, je vous appellerai, vous inquiétez pas. Hein. Ouais. Mais admettons, hein. Oui, mais admettons, toujours, oui, c'est toujours dans l'hypothèse de... Oui, non, mais toujours. D'accord, toujours. Ok, bon, si c'est que dans l'hypothèse, ça va. Non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, mais c'est pas le but de la manœuvre, hein, bien sûr. Hein. J'entends bien. Voilà. Bon. Écoutez, je suis heureux de l'apprendre. Merci, Maître Bonne Felton. Continuation, ouais. Et à bientôt. À bientôt, j'espère. Au revoir. Allez, au revoir. Ça y est, elle est là. Oula. Je suis en merde en fait. Allez, Billy. Les flics. Ouais. T'as vu ma casquette, c'est un souvenir de la prison. Bah franchement, elle est belle. Elle est belle, hein. Ici. Dis nouveau contrebandier. Ah, je mets ça à côté là. Vas-y. Mais ils sont après un véhicule du Bénice, non? Non, je pense qu'ils ont dû, tu sais, c'est. La LSPD venait d'avoir un accident apparemment. Ouais, ou alors c'est une mise en fourrière qu'ils ont besoin de suivre, des conneries comme ça, tu sais. De voir ça arrive. Possible, ouais. Ouais, je crois quand on tape quelqu'un, mais c'est pas tout le temps. Il reçoit un appel quand on vend de la drogue, quand on dépouille quelqu'un, ils peuvent recevoir un appel. Mais c'est une chance sur. Je sais pas, je crois que c'est du 30% ou un truc comme ça. Bah si, il y a quelque chose là. Oh, j'arrive pas à faire l'essence. Comment ça? Faux, d'accord, tellement faux. Bah là, on a tapé des gens, on a eu aucun flic. Alors soit ils sont mous, soit ils sont mous. Pourtant, ils étaient à côté en plus. Une chance sur. Une chance sûre, on sait pas quoi. Qui a fait ça, Alba? Je dirais pas. Bah, ne dis pas, ça vient. Bah, parce que. Tu me l'as dit que tu lui avais pris une moto ou je sais pas quoi. Donc, moi je vois que elle. Billy! Oui? Ici! Tu m'as pris pour ton chien ou quoi? Alors tu vas ranger ça parce que regarde ce que j'ai. Oui, bah tu dis pas. Je m'en branle, tu dis pas Billy ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? T'as voulu voler la voiture. J'ai pas voulu, j'ai voulu regarder si elle était bien fermée au cas où qu'il y a un voleur qui vienne. Oui, bien sûr. J'aurais prévenu la police. Oh bah tiens. Quoi encore? Oui, donc. On va vendre où là? Fait exactement. Là, on va aller au QG déjà. Déposer. Tu t'es pas passé devant le poste? Ben non, attends. Vous avez encore sur vous là, les gars? Ben oui. Non. Ah, t'as plus Flo? Moi j'ai plus rien, non. Ok, bah tu vas aller en chercher. Donc, ouais, qu'est-ce qu'elle t'a fait exactement? Elle t'a pris quoi? Tes subs fonctionnent plus? Va porter plainte, Jack. Bien sûr que si. Il y a peut-être un décalage, hein. Si tu viens de resub, il y a peut-être un décalage. Mais normalement, si. Hein. Pourquoi faut porter plainte contre qui? Qu'il faut casser la gueule à qui? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est qu'il y a des personnes qui ont volé des trucs dans le coffre d'un ami. Faut lui. Bah, on va lui casser la gueule. Belle idée. Ah non, tu quittes pas la ville pour ça. Non. Plusieurs points de plus. Va porter plainte, je t'en fous. Bah oui. Et pourquoi il ferme pas sa voiture, ce con? Mais il est con. Oui, pourquoi? T'as pas fermé ta voiture? Bah il est con. Voiture, ça se ferme. Ah, t'avais fermé ta voiture en plus de ça. Ah, ils ont des locks. Va porter plainte. Ou va voir... Ah bah non. Va porter plainte. T'en fous là, c'est bon, à un moment donné, s'ils sont pas capables de d'être des adultes et des amis, bah tant pis pour eux. Et parle-en à Romano. Oui, bah demain tu en parles à Romano, d'accord?
tu restes en ville. Je le sais, je le comprends totalement. Mais demain, est-ce que t'es en ville? Tant que je bouffe, moi j'ai faim. Oula, attends, j'ai le chat. Un gang déploie de plainte pour vol? Ouais, je sais pas, ouais. Tu regarderas tes textos, monsieur Sanka, quand vous viendrez. Merci, la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Ok, c'est bon. Du coup, tu peux descendre de moi. Hein. Demain, moi, je suis en ville, d'accord. Je vais prendre l'avion pour venir en ville demain après-midi. Je pense que Romano sera là. J'irai parler à Romano, ok. Je devais aller le voir. Vous voulez combien, les gars? Toi qui décides. Moi, 29. Non, 28, sinon ça passe pas. 28. 28. Ouais, 28. Putain, on peut manger. Ah, si, c'est bon. Pas à 40. De toute façon, je crois qu'on en a presque plus en vrai. Il va falloir qu'on aille retraiter tout ça bientôt. Je suis à toi, Jack. Il est là. Non, mais c'est bon. Mon petit, je vais leur. Bon, alors, toi. Mais je comprends pas. Des mecs vous volent et vous faites pas respecter, on leur casse pas la gueule. Ah, si, t'inquiète pas, là, c'est moi qui vais m'en charger. Ouais, ah, ouais, parce que. À un moment donné. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les flics? Les flics, ils vont faire des papiers, ça va durer 6 ans. Non, rien du tout. Si j'ai besoin, j'ai un marteau, hein. Oui, bah moi j'ai une batte de baseball et je peux avoir un flingue. Ah ouais, tu peux avoir un flingue? Merci Manulu pour le sub, merci à toi. Ah voilà. Moi j'aimerais bien avoir un flingue, un fusil à pompe. Ah, tu peux pas donner la même chose? Un fusil à pompe pour faire des trous. Un gros fusil à pompe. Donc je te donne ça déjà et puis on verra après, d'accord? Ok, vas-y, pas de soucis. Lily, t'as besoin? 28. Pour faire des trous. Ah oui, non, mais je vais leur faire un trou dans la poitrine, ils vont rien comprendre. Ouais, mais moi je veux un fusil à pompe, t'en as un? Fusil à pompe, non, pas encore. Ah, il m'en faudrait un de fusil à pompe. On cherche. C'est quoi qui me fait bon? Amnésia? La weed en pochon? Ok. D'accord. J'essaye de prendre ce que je peux. Ouais, vas-y. C'est tout? Attends! Encore ou c'est bon? Tiens, bah prends ça. Ouais, je peux en prendre encore, moi. J'ai de la place, hein. Tiens, mais prends, ça marche pas. Hop là, tiens. Là, pour l'instant, c'est... Ah, ça s'est bien fendu tout à l'heure, le Purple Plaza, là. 200 balles, plus de 400 balles, le truc. On va déjà faire ça, les garçons, parce qu'il va falloir que je quitte l'île. Ouais, tu vas aller dormir, quoi. Ouais. Mais je vais voir de la famille en dehors de l'île. Ah, ok. Je t'emmerde. Ah, je suis pas sur la radio. Ça doit être intéressant ce qui se passe sur la radio. Non, en fait, non. Ça va me casser les couilles. Billy, t'as tant d'amour en toi. Vous voulez aller où, du coup? Bah, du coup, plage, vu qu'on a fait voilà. Déjà Vinwood. Totalement, je te laisse mettre. Alors, du coup, à nous. Alors. Il est en ville ou pas, Romano? Je mange un petit bout. Tu veux que j'essaye de l'appeler et que je lui explique le problème? Ouais, mais je suis sûr que Romano, il peut aider. Vas-y, j'essaye de l'appeler, je te rappelle, mon chou. Vas-y. Oui, encore. On est plusieurs sur l'appel, là. On est plusieurs sur l'appel. Allô? J'ai manqué un épisode, j'irai voir. Qu'est-ce que t'as manqué, final? Final pendant 10 minutes. Il va falloir que le réseau soit remis. Hein. Billy qui arrive pas à avoir les infos qu'il veut. Bon, Romano. Ouais. Toi, à venir. T'inquiète pas. Faut laisser le temps aussi, hein. Je viens d'arriver dans le groupe. Hein. Si je demande toutes les infos d'un coup, ils vont se méfier de quelque chose. Billy, Romano. Mais.
C'est qui Billy Romano? Il s'appelle comme eh ça? Eh ben non, il est pas en ville. Ouais, il s'appelle Billy Romano. C'est pour ça que j'en ai marre. Bill Austin, Billy Romano, Billy Wayne. Oh, quand même, faire gaffe. Ouais, fais gaffe. Juste d'arriver. Ouais. Mais trop de Billy. Vendeur de stupes, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais moi je suis le plus beau. Le plus beau et le plus impulsif. Oui, ça c'est vrai. Par contre, Billy, tu me redonneras ton marteau, d'accord? Ouais, j'ai pas envie qu'on me le vole. Ouais, j'ai pas envie que tu casses des gueules. Bon, bah, monsieur Romano, il est pas là, et ben, je l'appellerai demain. Regarde. Ben, lui, il a quitté. Mais, c'est pas de ma gueule. C'est mon téléphone qui marche plus, moi. T'as le numéro du... Ok. De l'ancien maire? L'ancien maire Campos, là? Ouais. Non, je l'ai... Non, j'ai pas sur le compte. Parce que j'ai ses messages. Et... Attends, c'est peut-être que sur... Pourquoi tu veux l'appeler, lui? Hein? Pourquoi tu veux l'appeler, lui? Mais pour voir où il en est, c'est son histoire, là. Ouais, son histoire, c'est qu'il a... Tu veux... Moi, je peux te le dire, son histoire. Ah, bah dis-moi, oui. Ça reste entre nous, Billy, hein. Ouais, il, non, a porté... il a porté plainte contre les Weasel News. Comment ça? Bah, pour diffamation. Ah ouais? Ah ouais. Mais en fait, ce qu'il est bête, parce que. Apparemment, je crois, il a des preuves. Donc, il risque de perdre bêtement, en fait. Donc. Perdre de l'argent bêtement. Donc, c'est son problème. Mmh. C'est plus le mien. Et qu'il fasse attention que, du coup, moi, par la suite, je me retourne pas pour porter plainte contre lui pour harcèlement, quoi. Ouais, bien sûr. Attends, fallait que je vois un truc là. C'est compliqué vos histoires. Hein. Moi, c'est plus mes histoires. Je suis pas chillée de tout ça. Ah, oh, bah, il y a une moto par terre. Ouais. Oh, faut que je passe mon permis moto. Moi, je l'ai. C'est vrai? J'ai un contact si tu veux. C'est qui ton contact? Ozzy. Faut passer avec Ozzy. Pas. Ah bon? J'aime personne, je suis insociable. Bah, tu m'aimes moi. Moi ça va. Comment ça, moi ça va? Friendzone ou pas? Oh, mais il est chiant, hein! Je peux mettre je peux mettre mon marteau dans mon coffre? Je... Vas-y, attends, je vais juste mettre l'argent de côté, comme ça je mélange pas. Ouais. Alex, si Alex tu vends pas, toi? Non, moi c'est je bon. Surveille. Bah, tiens. Prends le marteau parce que si j'en ai besoin, reste près de moi. Je m'en fous, j'ai encore mes points. Quels points? Bah, mes points. Tes points. Ah, ok, putain. Oh, je suis fatigué, moi, ce soir. Parce qu'avec toi, je sais plus, Billy. Tant que j'ai des gants, tout va bien se passer. Je sais plus, moi, je suis perdu. Florian, je te fais confiance, tu vas tout seul. Et tu, si t'as un là problème, tu radio, d'accord? Je préfère rester avec lui. Purple 307, 1, c'est pas mal. 307 pour 1? Ouais. Ouais, franchement, vas-y. Ok. Je suis là. Je sais pas, j'ai jamais vu de vendu de purple là. Billy, Florian et Alex. Viens là, toi. Mais bah, à quel moment il y a Austin qui m'appelle? Ah, lui il a dû voler quelque chose. Oui, monsieur Austin. Amnésia 2500, les 5? Ça se vend bien cette merde, tiens. Allez. Les 5, et là, les 1. Bah, du coup, c'est pas assez là. On se donnera un petit rendez-vous. Voilà. On va prendre les. Faut pas s'énerver, pensez à votre tension, monsieur Austin. Ok, pas de soucis. Faites attention à vous, monsieur Austin. Irana, 4509. Ça, c'est très bien, ça. Tiens, prends-le, mon petit gars. C'est bien, Bill. Billy. Oh, putain, j'en ai marre. Tu t'es rattrapé. Oui, mais c'est parce que je viens de parler à Bill Austin aussi. Comment tu... Il doit être sur la plage. J'en ai marre. Dis-moi quand t'es là, Fabien.
Bon, ça se vend bien, ça va? Pas du tout, non. Ah putain, bah ça se vend bien, moi. Pas du tout, alors. Ah ouais? J'ai déjà vendu les 20. Ça m'a fait 4 500 $. Mais faut les menacer. Gab, ouais, bah pardon. Bah regarde, moi je les menace, regarde, et là je viens de me faire 7 500. Voilà, ce que tu m'avais donné, ce que j'avais avant, là, c'était quoi, la marijuana? Ça se vendait super bien, mal en plus. C'est un clash, je sais pas quoi, 47, je sais pas quoi. De toute façon, là, demain, on va, je pense, aller recréer un peu. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que là, ça commence à être là, mais là, c'est chiant. Non, c'est de la merde, dégage ou je te tape. T'es, Billy. Toi, t'en veux, toi. Pense à une petite. Tu veux quelque chose? 14, 7 000, putain, tu m'as fait. Je vais t'en mettre une, dégage, me colle pas, je vais t'en mettre une. Tu viens de me faire rater une vente de 7 000, tu lui as fait peur. Mais... 14 marijuana, 7 000, il le prenait, hein. Putain. Tu m'as fait rater ma vente, tu as fait. Il m'en a piqué un, ouais, un sac. Ouais, un sac, c'est rien, c'est un petit. Ça va. Bon, 11 là, pardon. Non, 11. Ah ouais? Ah, tu te relèves? T'as cru que tu parlais à qui, toi? Oh, genre, tu tapes des esquives, vas-y! C'est comme ça qu'on tape des esquives! Laisse-le-moi! Putain! T'as pu récupérer? Ouais, mais si, en fait, c'est à moi de le tuer, c'est à moi de m'en occuper, parce que sinon, je pourrais pas. Tiens, il avait quoi sur lui en plus? Eh ben, un sachet de weed blanc. Eh, toi, par contre. Ouais. Moi aussi, je t'aime, Billy. Ouais. Laisse faire les professionnels. Toujours pas là, Flavien? C'est pour taper à côté, c'est pas la peine. Bah, je t'ai dit, quand t'es radio, tu me dis. Ah, excuse-moi. T'approches pas de moi. En ville. Parce que tu m'as fait gâcher une pas cette bite, je l'ai en travers. Demain soir, hein. Demain soir, j'ai rendez-vous théoriquement avec les Austin. Toi qui voulais. Ben voilà, donc c'est avec Bill. Hein. Psst. Et là, toi. Donc, il me rappelle demain pour. Pas mal ça. Voilà, 6 500 les 14, c'est pas et mal quand même. Ah, bien, ouais. Donc, théoriquement, j'ai rendez-vous avec lui. Ça fait des années que je fais ça aussi, moi. J'aimerais bien lui demander aussi peut-être une protection non, à Bill. Non, ça dégage. Ça dégage. T'as besoin de protection, je suis là, moi. Oui, je sais. Que c'est la gueule à quelqu'un, je suis là. Angel, hein. Angel devait. S'il faut tuer quelqu'un, je suis là. Le OGQs là, ça se vend rien du tout ça. OGQs, ouais, c'est nul, ouais, c'est ce que j'avais, ouais. Que c'est que cette merde? Vous vendez ce que vous avez. Il fait quoi lui? Poussez-vous, ça va être un massacre. Poussez-vous, ça va être un massacre. Mon marteau, vite. Tu fais quoi toi? Poussez-vous, j'ai dit que ça allait être un massacre. Mais elle est trop con, mais qu'est-ce qu'elle est con? Non. Mais qu'est-ce qu'elle est con, putain! Qu'est-ce qu'elle est con! Emmène-moi à l'hôpital, vite! Tu peux le porter, s'il te plaît? On reste pas là, y'a trop de. Putain, y'a trop de témoins là! Embarquez-moi là! Vas-y! Oh. Ça va l'air? Ouais! Oh putain! Ouais. Je l'avais dit! Oh, t'as beaucoup de choses dans les poches là! C'est lourd. Pose-le, je le récupère. Ah, il est propre. Oh putain. Je t'avais dit de me laisser faire. Je t'aime, Billy. Je t'avais dit de me laisser faire, putain. Pourquoi je peux pas rentrer, putain? Ouais, j'ai des petits doutes sur ce que t'essaies de faire là, quand même. Non, mais moi, dans le coffre, je sais pas. Ouvre le coffre. Oh, ouvre le coffre. Ouais. Tu fais chier. Oh, c'est bon. Il est où? Je le vois plus. C'est bon, je suis dans le coffre. Oui, okay. Il est dans le coffre. On a peut-être fait une connerie là. Casse tes mains. Attendez. C'est. Je crois que je suis encore dans le coffre. Attends. Sûr. Fermez les yeux. Ouais.
Fermez bien les yeux. Hein. Ouais, pas sûr que je sois encore dans le coffre. Faire des gaffes, faut que tu le prennes avec toi. Attends, je ferme les yeux toujours. C'est bon, je suis où là? Je suis vers l'arrière. Ouais, c'est bon, c'est bon. Okay. Ouais, maintenant tu veux faire comment? Ouvre le coffre. Recule un peu, doucement. C'est bon? Ouais, non, elle est tombée. Ouais. On va le... Ah, putain, j'ai mal au crâne. On peut prendre ce que t'as dans tes poches et puis appeler les EMS, non? Bon, après, ils vont pas fouiller les poches, les EMS. Oh, putain. Non, pas. Je suis pas bien là. Je peux pas me lever là. Bon, on appelle les EMS, Alexandra. Ouais. Elle est où? La partie PC, je crois. Ah, je vais les appeler. De toute façon, normalement, ils ont été notifiés. Ouais, je vais renvoyer un petit. Ah, prends quand même la. Laisse l'argent, prends quand même au cas où. Prends quand même la... ce que j'ai dans les poches. Au cas où. Putain, ça se vendait bien là. Chier. Alors j'arrive pas. Attends. Ah, je crois que ça a fait bugger que je me sois mis dans le coffre. T'y arrives? J'arrive pas, non. Ouais, mais je crois qu'en fait ça considère que je suis dans le coffre alors que je suis pas dans le coffre. Ah. T'as appelé les EMS? Non, je vais les appeler. Appelle-les voir. Non. Ça, sinon, je reviens. Ça sonne? Oui. Ok, j'arrive. Oh, putain. Mais quel boulet! Il y en a qui mériteraient des bonnes fessées. Mais clairement, putain. C'est n'importe quoi, mais oui, c'est n'importe quoi. Oh là là, elle a voulu toucher à tout, là. Laisse faire les pros, bordel. Ah putain, ça m'a... Ah, ça m'a remis mon putain de bandana. Chier, faut que je l'enlève. Je vais réessayer de fouiller un peu les poches. Ouais, regarde, ouais. Non. Bon, de toute façon. Non, mais non, ça devrait aller. Tiens, récupère. Ah. Ouais, c'est tout bon, j'ai. Ah, y a encore? C'est tout bon. Evanware, je me sens pas bien. Viens là. J'ai Evanware. Je me sens pas bien. Prends ça, c'est la moitié. Ok, c'est la moitié à donner à Flavien. Ouais, c'est la moitié à donner à Flavien. Ok, parfait. Comme ça, c'est fait au moins. Ça m'en fait pas trop sur moi au cas où. Yes. Je me sens pas bien là. J'ai la tête qui tourne. Ils m'ont dit qu'il y aurait un petit peu d'attente. Va falloir t'accrocher. Tu veux faire quelque chose pour toi? Ah, bah là je pense que je vais pouvoir regarder dans tes poches là. Allez, courage. Ah putain. T'as pas réussi? Non, on n'arrive pas, on a appelé les EMS. EMS, il faut que tu te mettes sur la radio, il y a plein de gens qui t'appellent. Non, là c'est tout bon, normalement c'est vrai. Elle se met maintenant sur la radio, elle a été faire un petit pipi. Et ben, go lui payer ses frais d'hospitalisation. Vous voyez plutôt intérêt, oui.
En fait, théoriquement, si là il était comme ça, on aurait pu vite l'emmener à l'hôpital en fait. Ouais, mais apparemment il est considéré toujours dans le coffre, donc c'est un peu bizarre. Dans le coffre ? Ouais, oh là, il y a un bug là par contre. Un quoi ? Il y a ton coffre a un problème. Ouais. Oui, ton c'est apparemment. Attends, dégale-toi. Bah, de toute façon, je les ai appelés. Ouais. Yes. Ah ouais ? Ok, je fais ça. Mais. Bon. Bon, bah, go, hein. Tu le prends toi ? Bah, attends, j'essaye. Interaction, escorte. Voilà, c'est bon. Vas-y, fonce. Il est avec moi. Oui, c'est bon, vas-y, il est avec moi. Okay. Normalement, il est avec moi. Peut-être quand une personne est comme ça, tu feras avec ton muscle F1 et escorte. Ok, d'accord. Par contre, vu ce qu'il a sur lui. Non, c'est bon, j'ai regardé. Il y a rien de. Il a rien sur lui, t'es sûr ? Non, rien de. Qui peut lui être. Okay. Qui peut le faire valoir dans la merde. Bah vas-y, France. Ouais, pas trop non plus, parce qu'on est quand même chargé, hein. Oui. Parce que là, on peut pas aller à l'hôpital concitoyen, là. Bon. Non. Ouais, c'est bien ça. Mon Billy, ça va, j'espère. Je te promets que j'ai pas fait exprès, hein. Si tu m'entends, j'ai pas fait exprès, promis juré. Je suis tombé dans les pommes, donc je vais pas me rappeler. Désolé, j'ai craché passé dans ta voiture. Sympa, excuse-moi. Des dernières minutes, donc je me rappellerai plus. Je vais payer tes frais, t'inquiète pas. T'auras rien à payer, mon Billy. Il est encore avec nous ou pas ? Bah, c'est à toi de me dire, hein, tu m'as dit que oui. Bah. Je vois plus. Je te voyais pas du tout, moi en fait. Je suis un peu dans la route, hein, vous voyez, je suis en dessous de la voiture en fait. Si, si, c'est bon, je le vois, c'est bon. Ah. Il m'arrache la gueule par terre surtout. Hein. C'est bon. Tu peux sortir du coffre, mais oui, vas-y. Je sens que tu l'as mis dans la boîte à gants, c'est bugger, ça. Bah oui, hein, c'est un gant. Hein. C'est bon, avec. Allez, bougez votre cul. Ah, c'est bon, on arrive. Billy, on arrive, je te promets. Je. Vas-y. On a besoin d'une urgence. Urgent, j'ai un blessé. C'est pas drôle, tabernac. Bah non, je vais pas m'hospitaliser. Non, moi j'ai planté Alba. Oui, bah c'est pas drôle. Putain, mais ils sont où ? Aïe, Essaye d'appeler les EMS, tu dis qu'on est dans la salle d'attente avec un blessé. Oh putain, merde, Billy, je te jure. Oh, je te donnerai de l'argent, t'inquiète. S'il vous plaît. Et ceci. Putain, comment ah, je là, il est occupé avec Alba. Ah, il arrive. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Bobo, il a fait Bobo. Ah, oh, bah, t'es obligé de s'il vous c'est plaît. C'est pas le seul, hein. Je suis désolé, Alba. Ouais, il va falloir te la taper, hein. Non, il est bon, mauvais. Bon courage à toi, Alex. Merci. Et à Bobo. Ça qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, on jouait et on s'en faire exprès, on s'est fait un peu mal. On s'est fait un petit peu mal. Ouais, j'en ai un là au sol. Désolé. Alors. Ton petit arcade. Petit arcade design. Ah, oh, pardon. Ah non, c'est pas lui. Oui, il y a écrit sortir du coup. Pardon, madame, vous pouvez vous éloigner, oui, s'il vous plaît, deux petites secondes. Non, attendez. Ok. Allez, on s'occupe de vous. Vous êtes là, les gars ? Oula. Ah, pas aussi blanc là. Ah oui, c'est agréable, oui. C'est vrai qu'il fait pas mal aussi. On va soigner l'arcade. Alors, je récupère tout ça.
ça. Hop, hop, hop. Alors, je désinfecte. Et on met un au secours. S'il vous plaît, au secours, tout le monde appelle au secours. Attendez. Oh, c'est bon, je suis déjà dans les vapes. Hein. On dirait une salle de vétérinaire, tu trouves ? C'est vrai que c'est pas pour les gros soins là, c'est pour les petits soins. Mais en même temps, bon, si j'ai quand même pris une batte de baseball, hein, je suis quand même bien sonné. Alors, je vais pas me rappeler que c'est Alexandra qui me l'a mis. Billy, il arrive toujours des trucs à la fin du live, mais c'est vrai en plus. C'est vrai qu'à la fin de live, c'est une tradition. Vol de véhicule, arrestation. La dernière fois où je me suis fait écraser et tout. Et tu as raison. Oui, c'est blanc quand même, mais des fois ça fait un blanc flashy, ça fait mal aux yeux là, ça va. Alexandra, une femme fatale, ouais, ça c'est clair. Ça. Billy va faire tap tap avec Alex. Mais non, je vais pas me rappeler que c'est Alex. Je me rappelle qu'on était arrivé là sur les lieux, qu'on a vendu, mais après je me rappelle pas ce qui s'est passé. Donc on va voir ce qu'elle va dire. Je suis sûr qu'elle va dire ah, oh, c'est un concitoyen qui t'a appelé et tout. Je vais demander. On va voir. À quel point tu vas perdre la mémoire, c'est sur ça le problème. Non, voilà, comme je disais, pas énormément. Du coup, arrête plutôt de live. Bah, de toute façon, il va être minuit, donc je vais arrêter. Je vais bientôt arrêter. On s'est fait un peu d'argent, tu vois, ce soir. Bah, déjà, on a remboursé les dettes des flics, ça c'est cool, grâce à être un petit peu rentré dans cette espèce d'organisation de petits groupes, là, de petits gangs. Est-ce que ensuite. Je me suis fait 8000. Personne blessée à l'arcade. Je me suis fait 8000. Ce qui est pas le plus normal, j'aurais pu alors, faire plus si elle m'aurait pas tué, parce que j'arrivais bien à vendre, mais bon. On va mettre des strips. Restez allongé. Vous avez encore de l'arcade cassée. L'arcade cassée ? Ça casse l'arcade ? J'y connais rien du tout. Je regarde. Non, ce sera plutôt agrafe. Oh la vache. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Vous êtes battu, c'est ça ? Je sais pas. Oh, je me promenais sur la plage et je sais pas ce qui s'est passé. Quel poids, monsieur ? Quel poids, quelle taille ? Combien je fais de poids ? Votre poids et votre taille, s'il vous plaît. 90 kilos. 1m80. Et la taille ? 1m80. Oh, ok. Alors. 1m85, pardon. 1m85, ouais. Ok, je prépare. Pas. Hop. Alors, bougez pas, je vais piquer, c'est une petite locale. C'est ça qui met de la chemise, la chemise on va pouvoir graffer. Hop. Son cas, je joue la PS5. Ouais, il est pas là, son cas, il joue la PS5 comme d'habitude. Oh putain. Oh. Alors, est-ce que si je touche, vous sentez quelque chose ? Ouais, je sens que ça fait mal, quoi, ça. J'ai un mal de crâne là, pas possible. Waouh, ça tape. Comme un lendemain de cuite, mais vraiment violent, vous voyez, plus violent qu'un lendemain de cuite. Ok. Genre où j'ai défoncé 3 bouteilles de whisky, quoi. Oui, il faut du repos, c'est ce que je peux conseiller du mieux. Ouais. Vous travaillez dans quoi, du coup ? Ah, je suis éboueur, moi. Hop, prépare la graffe. Éboueur, moi. Okay. Reaper, oui. Hop. Allez, ça peut, on a limite d'être Reaper. Deux belles agrafes sur le front. Oh, bah, une de plus, quoi. Vous êtes souvent blessé ? Oh, je suis un peu bagarreur, on va dire. Ah oui. Après, on va les enlever. Hein. Oui, oui. Ça fera pas de cicatrices ou quoi ? Bon, ça fera 2 points. Ça va. Ça fera un trait avec 2 points. Mais bon, ça reste l'arcade. Ça guérit bien. Vous vous appelez comment, monsieur ? Billy Wild. Comment vous écrivez votre nom de famille, s'il vous plaît ? W-I-L-D. Ok. Oh, vous avez des cachets ou quoi là pour me soulager la tête ? Oui, hop. Hop. Petit antalgique léger. Ça va suffire. Tenez. Est-ce que vous avez de l'eau ? Tenez, je vais vous fournir de l'eau. Si vous avez un verre d'eau.
Tu es magnifique, merci Arthur. Tenez le verre d'eau. Ouais, merci. Je bois. Ah, voilà. Je peux m'asseoir ? Oui, asseyez-vous. Est-ce que ça va pas trop de tournis ? Ah, ça résonne un peu dans la tête, ça tape encore, mais tant que le cachet est fait, c'est fait, quoi, mais... Ouh, okay. La vache. C'était violent. Eh ben. Sacré combat, apparemment. Non, Billy est américain, lui. Ouais, je sais pas, je pourrais pas vous dire, là. Pourquoi ? Bon, apparemment, il a gagné. Ouais, ce qui est pas normal, d'ailleurs. Il va falloir que je règle ça. Bon. Peut-être de la fatigue. Ouais, je peux y aller ou comment ça se passe ? Oui, juste vous faire la petite facture, il faudra revenir demain pour que vous allez. Oui. Ça marche. Et voilà. Ça fait combien ? 550. 550, ok. Demain, je reviens dès que possible pour enlever les agrafes, c'est ça ? Demain, à partir de 20h. Oui. Et après-demain, à partir de quelle heure ? Après-demain... Bon, je vous appellerai dès que je serai en ville, et puis... À 20h, en général, 20-21h, il y a du monde. Donc... Bon, je vous appellerai si jamais il y a quelqu'un qui est en ville... Oui. Bonjour. Si vous voulez les EMS. Oui, je leur demande pas de soucis. Allez, suivez-moi. Pardon ? Il va pas falloir que les gens. Putain de mal de crâne. Comment tu vas ? Ouais, oui, ça va, il s'est passé va quoi, bordel, putain ? Attends, deux secondes. Je vais le retrouver, je vais le mettre à coup de marteau. Comment ça se fait que j'ai perdu un combat, moi ? Pour la facture, c'est oh, je perds jamais recherche. Les combats normalement. Ah, je lui ai déjà. J'ai mal au crâne, hein, faut pas crier. Combien ? Non, on va les poser, on va les ramener. 150 ? Ouais, enfin, on va ramener. Billy, viens là. Ouais. Redis-moi ton IBAN, s'il te plaît. Attends, ce que. Ouais. Faut que tu me rendes mon marteau, faut que je retrouve celui-là qui m'a cassé. C'est Billy, oh. Billy, parce on que... va en parler après. Non, mais parce que je perds jamais normalement un combat, qu'est-ce qui s'est passé là ? On va parler après. On va parler après. 550, c'est ça ? Ouais, je croyais ce qu'il a dit. Et donne-moi son email. Je vais te le donner, non ? Attends, c'est. Je sais plus c'est 150, quoi en fait. 151. 151 ? Ouais. Voilà. Bon, on va aller se mettre dehors déjà, je pense. Ouais. Oui, Geoffroy. Tu sais c'est qui du coup ? Merci, à bonne soirée. Bon courage à vous. Ouais, ça va aller. Les amis, il est minuit, c'est l'anniversaire de Lulu. Oh, vous y avez pensé. Pastey, Stan, il y a pensé. Océane, il y a pensé. Elle a pensé. Oh, vous êtes trop fort. D'accord. Vous êtes trop fort. T'as toujours besoin de moi ? On va faire un truc après. On va aller raid Lulu. Vous voulez qu'on aille raid Lulu après ? On va aller raid Lulu. Ouais, bah y'a pas de soucis. Je dépose la personne et puis je te rejoins au Weasel. À tout de suite. On lui fera un clip. Billy. Et on va aller l'arrêter. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que... Je suis raide mort, là. Entendu, on dire, assieds-toi, si tu veux. Ouais. On a exposé déjà ailleurs, qu'ici. Parce qu'après, quand j'aurai mon patron. J'avais plein de trucs dans les poches. Putain, les EMS m'ont piqué les trucs dans les poches. Je vais leur casser la gueule. Non, je vais leur casser la gueule. Quoi, c'est... J'ai tout. T'as tout récupéré ? Oui, j'ai tout, je vais tout. Ah oui, putain, ça y est. Oui, ok. Pas de soucis. Ah oui, je t'ai senti. Oui, ok, oui. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu te défendre. Et malheureusement, j'ai pas eu tomber, j'ai glissé et c'est tombé sur toi. Et crois-moi. Non, Billy, s'il non, te plaît. Crois-moi, je m'en veux plus. Oui, que oui. Je m'en ramène-moi. Veux. Billy, s'il te plaît. Ramène-moi. Oui. Du coup, je ramène où ? Ramène-moi chez moi. Faut juste que tu mettes un point. Alors, c'est celui-là ? Non. Oui, allô ? Oula. Oui, non, c'est moi. D'accord, c'est moi. Ah. C'est rien. C'est... Attends, les garçons, chut. T'as dit allô, c'est qui ? Je peux pas mettre le point. Vas-y, va à droite. Je vois pas ton nom. Tu peux mettre le point maintenant. À droite, ouais. Ok, pas de soucis. Et oui, qu'est-ce qu'il y a du coup ?
Ah ok. Ouais bah non, t'es en oula, privé. La conduite c'est comme Alex, c'est dur de garder. Non, il y avait un, il y avait un poteau en plein milieu. Ah, ok. Et il y avait des concitoyens en plein milieu aussi. Billy. Billy. Ouais. Je suis désolée. Eh, je t'ai payé tes frais médicaux et je t'ai même rajouté plus pour me faire pardonner. Billy. Ouais. Je m'en veux déjà beaucoup. Non. Tu vois, Alex, je t'aime bien. Tu sais que je t'aime bien. Et arrête, je m'en veux plus oui, que oui, toi. Oui, oui, non, mais je t'aime bien, y a pas de souci. Sauf que là, là, tout de suite, là, vaut mieux que je m'éloigne de toi. Mon marteau. Ah oui, non. Alors, je... Alors, on va se mettre à côté. C'est moi qui l'as. Ouais, vas-y, donne-lui déjà le marteau. Voilà. Bonne soirée. Je vais aller me coucher. Je préfère m'éloigner de toi avant de devenir violent. Attends, attends, il faut que je te donne. Oui. Pas mal de choses. Alors. On est parti des EMS. Ah oui, je récupère ça. Bah, je vous ferai, je vous vendrai la moitié de toute façon. Non, mais y'a pas de soucis. Hop là. Là, normalement, c'est tout. Mais... C'est... Ok, je m'étais fait combien, moi, je sais plus du coup, avec tout ça. Là. Apparemment, tu m'avais dit que t'avais déjà coupé avant. Avant que tu tombes dans les pommes, tu m'as dit que t'avais déjà coupé en deux. Et là, tu m'as redonné. Le, l'argent. Tu m'as redonné 8000, c'est ça? Ouais, donc les 8000, apparemment, c'est pour toi. Ok, donc là, ce que j'ai en cash, faudrait que je le divise. Ok, ça marche. Bon, c'est bon, ça va. Ouais, voilà. Bonne soirée. Et belle soirée. Je vais reposer, là, j'ai un mal de crâne oui, de, comme sûr, ça là. Ça m'a. Yes. Ça m'a quand même bien éclaté. Pas de soucis, bonne nuit. J'adore parce que là. Je préfère penser que je vais la taper. On va partir parce que sinon ça, je vais devenir violent. Bah ouais, c'est le RP de Billy. Il veut taper tout le monde là. Bon, il l'aime bien, tu vois, ça va, mais. Elle va s'en vouloir comme ça. Bon, c'est l'anniversaire de Lulu aujourd'hui, les amis. Il est minuit. Donc, ce qu'on va faire, pour ce, on va faire un raid chez Lulu. Comment est-ce possible de faire un raid sur Lulu? Eh ben, c'est simple. On va aller sur Instagram. Voilà. Hop. Voilà. Se connecter, non. On va sur Instagram et on va aller lui souhaiter plein de joyeux anniversaires dans ses, dans les commentaires. Tout le monde a Instagram. Tout le monde a Instagram, j'espère. Bon. J'espère pour vous. Faut juste que j'arrive à voir. Ah putain, est-ce que j'arrive à voir le lien? Ah, on a reçu un message, je vais le regarder après. Que j'arrive à me connecter. Voilà, je peux me connecter. Bon, vous avez tous Instagram, c'est très bien. Je vais passer par là parce qu'apparemment je suis une vraie quiche. Je suis vraiment pas doué. Hop, on ira plus vite en passant par là. Voilà, c'est pas là. Donc, elle est où ma petite femme d'amour? Où est-ce qu'elle est rangée? Elle est là. Hop. Hop, copier le lien. Twitch. Hop là, ma chaîne. Chat. Coli. Et voilà. C'est le. Putain, la vache! Ah, c'est la story. Bon, vous allez retrouver son compte, du coup. Hein. Normalement, avec ça, vous retrouverez son compte, je pense. Vous me dites si vous allez retrouver son compte. Et dans les commentaires du dernier réel, vous lui souhaitez plein d'anniversaires. Voilà. Comme ça, elle sera contente quand elle va se réveiller demain matin. Mais non, elle était là tout à l'heure en plus. Donc comme ça, ça va faire sonner son portable. Voilà. Donc de prochain live, vendredi matin. Vendredi matin, on fera du Billy, toujours. On va essayer de vendre tout ça. On va essayer de voir qu'il y a. On fera du 9h midi. Voilà. Ça y est, c'est parti les joyeux anniversaires. Je vais vérifier hein, si vous envoyez bien joyeux anniversaire sur le dernier post de Lulu. Hein. Attention, je regarde. Hein. Attention, je regarde. Hein. Je vais vérifier. Hein. Marquez-lui dans le dernier post, pas dans la story, parce que sinon c'est chiant. J'aurais dû faire ça plutôt. J'aurais dû faire copier l'URL du profil. Twitch. Voilà, prenez celui-là plutôt. Voilà.
Oui, elle, mais c'est une ninja, ma femme. C'est une ninja. Voilà, là, vous avez son profil. Et comme ça, voilà, vous allez la harceler. Harceler Lulu ! Allez ! Joyeux anniversaire, ma femme ! Joyeux anniversaire, Lulu ! Voilà, ça va se faire spammer. Voilà, vu qu'elle a pas de Twitch, la prochaine fois, elle a qu'à avoir un Twitch. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Skyfrog qui s'est énervé aussi. C'est fait. Ah, vous êtes trop mignon. Voyons, je vais regarder ça. Ah, 10 commentaires. Parfait, ça, les amis, parfait. Vous n'êtes pas obligés, bien évidemment. Je ne force personne, mais je vous banne si vous ne le faites pas. Ah, pas déconnecté, hein. Vous êtes trop mignon. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Lulu. Oh, vous êtes trop mignon. Bon anniversaire à Lulu d'amour. À Kiki. Ah, vous êtes trop beau. Voilà, c'est bien ça. Je vous mets aussi sur TikTok. Est-ce que TikTok veut aller souhaiter l'anniversaire à ma femme, à Lulu ? Vous voulez le faire aussi, TikTok ? Tenez, TikTok. Si vous voulez souhaiter l'anniversaire à Lulu sur Instagram, sur son Instagram, elle sera très contente. Et j'espère qu'elle vous répondra à tous un par un. Alors, allez-y. Lulu est sur le Discord ? Oui, Lulu, elle est sur le Discord. Oui, elle est en tant que modératrice. Mais après, elle y va pas souvent parce qu'elle y connaît pas grand-chose. Mais oui. Elle est sur le Discord. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, ce petit live, les amis. C'était cool. On aura bien rigolé. On a reçu un message avant. Ça doit être Alex qui s'excuse, qui s'en veut. Oh, je m'en veux, Billy. Bah ouais. Comment faire désirer une femme, vous avez vu ? Hein ? Voilà. Je suis vraiment désolé, je voulais te défendre. Et malheureusement, voilà, je m'en veux beaucoup. Sache-le, repose-toi bien. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'il fait, Billy. Voilà. Elle aime bien, le Billy, tu vois. Voilà, elle s'en veut, c'est parfait. Elle ne fait pas de live sur Insta ? Non, il faut peut-être un nombre d'abonnés. J'ai jamais fait de live sur Insta. On peut faire des lives sur Insta ? Je savais même pas. Oh. Je fais plus TikTok, moi. Je passe plus par TikTok que par Insta. Et bon anniversaire à ta femme. Merci, Rocco. Merci à toi. Merci, Fluxy. BG en costume de mariage qu'il a... Ah ouais, putain, attendez, il y a quoi comme photo sur son Instagram ? Oh ! Arrêtez, il y a peut-être des doses de ouf. Arrêtez, qu'est-ce que vous êtes en train de voir ? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, ça vous avez vu sur TikTok, ça vous avez vu, ouais, ça c'est sûr, hein. La robe de mariée de ma femme, ah oui, en costard. Ah, en costard, il y en a... Oh, si, il y en a une ou deux, oui, quand même. Ou alors, elle a pas grande vidéo, hein. Il n'y a que des photos de nous, en fait, ou d'elle. Ou elle est complètement folle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme ? Normal, c'est la mienne. Vous connaissez ma femme ? Elle est belle, hein. Mais je suis pas, comment on dit ? Si, je suis... C'est, comment on dit ? Je suis pas optimiste, non, c'est pas ça qu'on dit. Je suis pas visionnaire, je suis pas... Ah, comment on dit ? Je suis pas... Bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Je suis pas devin, je suis pas charadjiste. Bon, bref. Je suis pas objectif, merci Pazo, putain. Ah, je suis pas objectif, mais si, je suis objectif, parce que c'est ma femme, de toute façon. Un homme fier, c'est beau, ça. Ah oui. Bah, je vais me coucher tôt, parce que demain, je veux dire, j'ai du taf. Hein. Ouh là là, j'ai du taf. J'ai du taf parce qu'elle a une grosse journée demain. Et j'essaie de faire un TikTok de ce que j'ai prévu demain pour elle. Sur le TikTok Kiki et Lulu. Et puis voilà. Et puis, il y a ça aussi qu'elle va me faire faire. Putain, je résiste. Hein, je résiste depuis trop longtemps. Ça va péter. Hein. Donc ceci, comme vous pouvez le constater, a des petits patchs. Avec un cordon électrique qui apparemment envoie des pulsions électriques juste pour voir ce que ça fait des contractions. Elle se venge de toute la misère que je lui ai mis sur notre compte TikTok. Je vais te prendre très cher. Et du coup, simulateur de contractions. Voilà. Prochain live, 9h midi, vendredi 18 août. Et non, on va pas raid ce soir, c'est l'anniversaire de Lulu. Alors ne raid pas, on a raid Lulu. Continue à raid Lulu pour ceux qui viennent d'arriver ou pour ceux qui là. Voilà. Allez raid ma femme, souhaitez-lui un bon anniversaire ce soir. C'était ça. Et puis, oh oui, en live. Ah, je sais pas, c'est pas con, on aurait pu faire tester les trucs électroniques, les trucs électro avec Lulu en live. Ça pourrait être pas mal aussi. Ouais,
peut-être un TikTok ou peut-être les deux. On en fait et puis on fait des comme on fait des best-of sur TikTok. Pourquoi pas aussi. C'est une bonne idée. Coucoura. C'est pas une. Non, c'est. Mais c'est. En plus, je dis c'est pas une bonne idée. Bah non, je vais souffrir. Donc c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Vous avez vu qui a vu le jour où on m'avait épilé en live. Vous avez pas vu ça. On m'a épilé en live. Alors Kiki et Lulu, vous allez voir. Vous allez dans mon compte Kiki et Lulu, vous regardez les TikTok et je me suis fait épiler en live un soir. Parce que je sais plus, j'ai perdu un pari à la con et du coup, il y a quelques TikTok où elle m'a épilé un soir en live. Et depuis, et depuis l'épilation, ça n'a jamais repoussé. Parce qu'elle m'avait brûlé. Non, c'est faux. Enfin, si, elle m'avait brûlé, ça c'est vrai. Mais je veux dire, ça avait repoussé parce que. Ça avait repoussé parce que. Non, ça avait repoussé, mais du coup, je dis, oh attends, en fait, c'est agréable. Et du coup, maintenant, je le rase. C'est intéressant, hein, mais voilà. Donc, si vous voulez me voir souffrir, n'hésitez pas à regarder mes vieux TikTok sur Kiki et Lulu. Voilà. Il y a plein de choses exaltantes, intéressantes, rigolotes. Après, il y a beaucoup de choses de bus aussi, où je fais le con, où je faisais le con avec le bus, mais après, j'ai arrêté parce que ils ont dit bon, faire des TikTok dans le bus, quand même, c'est pas trop bien. Hein. Et d'accord, bah, je vais travailler alors. Je vais conduire le bus au lieu de faire des TikTok. Alors, du coup, maintenant, je suis obligé de travailler. Moi, j'ai raté le live. Bah oui, du coup, vendredi. Vendredi matin, 9h midi. Hein. Et puis c'est l'anniversaire de Lulu, t'as dû rater. T'as pas sauté bon anniversaire à ma femme, SRH. Hein. Donc du coup, je vais devoir te ban. Hein. Salut, ça fait longtemps que je vois tes TikTok, mais je vois jamais tes lives. J'espère que ça va. Ben, ça va très bien, Jules. Merci de passer quand même. Merci, merci à toi. Et le saviez-vous, les amis? Mais attendez, je regarde un truc. On est quand même maintenant. On est quand même 15 898 followers sur le Twitch. Hein. C'est quand même c'est quand même beau. Hein. Tu vas me forcer à me lever tôt là. Oh Skyfra, je sais que pour moi tu seras toujours là. Je le sais. On le retrouve sur Jackie Michel dans un bus. Ah oui, c'est possible ça aussi, c'est possible. Ah, je suis sur tous les réseaux moi, hein. Peu importe lequel. Hein. Vas-tu faire un raid? Non, non, pas de raid ce soir. On discute un petit peu tranquille, puis je vais aller faire d'autres. Mais est-ce que tu savais que t'étais un 22 au fond? Mais oui, non, mais oui, non, mais oui, non, mais enfin, non. Non, non, 22, c'est une partie de moi. 22, c'est moi plus plus, en fait. Enfin, vous le voyez que dans mon perso, dans mon RP, Billy, des fois, il a un côté 22. Alors, j'essaie de moins parler, parce que Billy, il parle un peu moins. Billy s'enflamme un peu moins. Billy castagne, il veut casser la gueule, mais je veux dire... dans les conneries, dans les trucs qui m'arrivent, ça reste moi. Et dans la vie de tous les jours, il m'arrive des galères comme ça. Demain, j'ai prévu plein de trucs pour Lulu, pour son anniversaire. Bon, hein, vous voyez comment ça s'est terminé avec Billy. Il y a des chances qu'il y ait une couille aussi. Ah, j'espère pas, mais bon, c'est pas impossible. Au mariage, Lulu m'avait demandé de. On a organisé plein de trucs ensemble, et puis elle me dit bah, tu te charges de t'occuper de la musique du mariage. C'est-à-dire que tu vas voir la chénifie dans la mairie pour faire une entrée de mairie. Et tu dis si c'est bon. Moi, j'ai été voir, j'ai regardé. La chénifie accepte les ports USB. Voilà. Très bien. Parfait. Impeccable. Le jour du mariage, le port USB n'a pas fonctionné parce que je n'avais pas testé. Mais en fait, dans la clé USB, il ne fallait pas mettre dans un dossier, en fait. Il fallait mettre directement la musique et pas dans un dossier pour avoir la musique. Voilà, ça c'est les petites boulettes. Donc du coup, c'est l'adjointe au maire qui nous a mariés, qui était là avec le téléphone portable et qui nous suivait. Ridicule du coup. planning, point d'exclamation planning. Vendredi matin, 9h midi, je serai là. Ah mais Lulu, pour faire un dossier de boulettes que je fais, c'est un livre, un roman, 12 tomes. J'ai découvert sur TikTok et franchement, tu fais ton rêve. Merci, Nightwolf. Là, j'ai plein de TikTok à faire, là où elle m'a embêté, où on a renversé de l'eau le matin. La mort de Billy la dernière fois, là où il est mort comme un con en essayant de braquer une voiture. Et du coup, c'est tombé sur une moto ou quoi. Ouais, j'ai pas mal de TikTok à faire encore. 10-50 en IRL, exactement, c'est arrivé. Enfin, voilà. Quoi. Bon, on va aller se coucher, les amis. J'ai un gros programme demain réalisé. Je vous fais des bisous, merci d'avoir été là. Point d'exclamation planning pour connaître le prochain live. Des bisous les amis et on se retrouve vendredi matin 9h. Des bisous, des bisous.
Tu me fatigues, Lina. Toi, tu me fatigues, Lina, ouais. Comment ça, moi, je me fatigue, Lina? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des bisous, bonne soirée, bonne nuit. Je vais aller dire bonne nuit à ma femme dans le creux de l'oreille avant de